Vous êtes à l'écran. Bonjour à tous. Donc merci d'être présents pour cette matinée. Donc il s'agit de la deuxième conférence de la REC sur le photovoltaïque qu'on a voulu organiser donc pour remettre un peu en avant la dynamique francilienne. Tout de suite, je vais laisser la parole à Christelle Lancerguet, donc directrice de la REC, Agence régionale énergie-climat, qui va pouvoir faire l'ouverture donc de cette conférence. Christelle, je t'en prie. Merci Nargis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce webinaire sur le solaire photovoltaïque en Île-de-France organisé par la REC. Alors il s'agit aujourd'hui de mettre en avant la dynamique de projets en Île-de-France et aussi de revenir sur les récentes évolutions, que ce soit réglementaires et technologiques, afin d'échanger sur leurs impacts à venir pour effectivement poursuivre cette dynamique positive. Alors, une dynamique en Île-de-France, en effet, Nargis faisait référence à une conférence en 2020 où on avait pu faire part d'un certain nombre d'éléments contextuels et aussi sur des éléments de connaissance sur le gisement francilien hein, pour encourager les projets, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et on a vu ces 2 dernières années vraiment un essor important avec une augmentation de près de 50 mégawatts de puissance installée entre ces 2 années, avec à la fois une diversité des installations, qu'elles soient sur toiture, des installations au sol ou sur ombrière, et surtout une diversité de porteurs. On a vu un élan autour des projets citoyens, une mobilisation forte également des acteurs économiques privés, et aussi des collectivités territoriales qui portent elles-mêmes des projets ou viennent en appui de cet élan sur les territoires. Alors, le plan solaire régional, hein, qui a été donc adopté en 2019 par le Conseil régional, évidemment, a permis et contribué à créer cet élan territorial avec la mise en place d'un certain nombre de dispositifs de soutien et d'outils pour encourager les acteurs à se mobiliser. Et la REC, évidemment, est partie prenante de cet accompagnement. Rapidement, il me semble important de rappeler le rôle que la REC joue, notamment en matière d'observation, de production de données, et qui a contribué notamment à l'élaboration du cadastre solaire régional, avec des premiers éléments sur le gisement toiture et à venir hein, des éléments sur le gisement au sol. Mais nous avons aussi tout un rôle d'accompagnement, d'appui aux collectivités dans le cadre de l'AMI solaire mis en place par la région dès 2020. Et nous assurons, on va dire, un appui technique et méthodologique auprès des lauréats de cette AMI dans une phase de préfiguration et d'aide à la décision pour évidemment mettre en place ensuite des projets concrets. Évidemment, un rôle d'information et également d'interface avec un certain nombre de partenaires qui aussi interviennent en Île-de-France pour accompagner les projets, que ce soit les syndicats d'énergie, les agences locales de l'énergie et du climat, Énergie partagée Île-de-France, et puis évidemment les différents acteurs institutionnels, en particulier l'ADEME et les services de l'État, et évidemment d'autres collectivités qui mettent en place différents dispositifs de soutien. Alors, je le disais, au-delà de cette dynamique positive, on va dire, pour nous, on a eu de récentes annonces et différentes évolutions du contexte réglementaire, donc il faut s'approprier. En particulier, hein, vous aurez noté avec la loi Climat et Résilience d'août dernier. Vraiment une volonté de favoriser l'installation de panneaux solaires photovoltaïques, notamment lors de construction ou de l'extension de nouveaux bâtiments. Récemment, l'arrêté tarifaire sur lequel nous aurons l'occasion de revenir durant cette matinée, fixant donc les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques, donc publié en octobre. Et qui étant à 500 kilowatts crête le guichet ouvert. Et puis enfin, dernièrement, l'annonce d'un plan d'action par le ministère de la Transition écologique
pour accélérer et simplifier le développement du solaire dans des zones présentant le moins d'enjeux environnementaux, avec 10 mesures concernant spécifiquement les projets sur toiture ou terrain dégradé. Donc évidemment, ce contexte est important de pouvoir se l'approprier, sans compter évidemment des évolutions technologiques qui impactent les projets, les modèles aussi économiques de ces projets. Et ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un premier échange, des premiers éléments de compréhension pour continuer à accompagner cette dynamique qui, nous l'espérons, continuera à évoluer positivement. Et donc, je souhaitais enfin remercier l'ensemble des intervenants donc, qui ont accepté de participer à ce webinaire et vont nous faire part de leur retour d'expérience et de leurs expertises, et remercier l'équipe de l'AREC, donc à la manette, pour l'organisation de ce webinaire. Bon travail, bonne matinée à tous. Merci Christelle. Donc effectivement, nous allons avoir une matinée relativement chargée. Très rapidement, je vais vous resituer un petit peu l'ordre du jour. On va commencer par donc un premier temps sur le solaire photovoltaïque en Île-de-France, revisualiser un petit peu la dynamique, un peu revoir l'état des lieux actuels, les gisements qui ont été identifiés. Et puis ensuite, on aura un retour d'expérience pour appuyer donc un peu cette dynamique francilienne. Donc, dans un second temps, à 10h55, nous aurons une table ronde. Donc, l'objectif de cette table ronde, ce sera de voir un petit peu donc toutes les évolutions de la filière photovoltaïque, donc que ce soit les évolutions réglementaires, technologiques, ça va être lié aussi au modèle économique et à l'implication des citoyens. Dans l'évolution de cette filière de l'ENR. Ensuite, à 11h50, nous reviendrons sur le photovoltaïque en Île-de-France. Quelle suite, quels sont les acteurs qui accompagnent un petit peu les dispositifs qu'il existe en région. Et ensuite, à 12h30, nous clôturerons cette visioconférence. Donc, pour commencer, je vais laisser la parole à Dounia Yassine, donc, qui est au sein de l'AREC, l'Agence régionale énergie-climat, et donc qui est chargée d'études ENR et observatoire. Elle nous rappellera les gisements, la production d'ENR actuelle aussi sur la région Île-de-France, et puis tout ce qui va être un petit peu typologie d'installation. Et projet, elle reviendra sur quelques projets aussi franciliens. Dounia, je te laisse la parole. Merci Nargis, donc vous m'entendez bien? Oui, on t'entend Bonjour, bien. parfait. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Dounia Yassine, chargée d'études à l'AREC, Île-de-France, aux côtés de Nargis et de Christelle, comme ça a été dit. Je suis en charge de l'animation de l'Observatoire francilien de l'énergie et des gaz à effet de serre, donc le ROSE, et je travaille avec Margis aussi sur le solaire. Donc, comme ça a été dit, Plein écran, c'est pas en plein écran. Pardon. C'est bon là. Je vais vous présenter rapidement les quelques grands chiffres sur la dynamique de la filière solaire Je vois. photovoltaïque en Île-de-France. Et, bah si, moi je suis en plein écran. Bon, c'est pas grave. Et sur les perspectives de développement, notamment à travers les gisements solaires qui sont disponibles et pour lesquels des travaux ont été débutés. Donc pour commencer, en ce qui concerne l'état des lieux de la filière, en 2020, on a environ 120 gigawattheures d'électricité produite par des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été injectés sur le réseau. Ça représente environ 9% du total de l'électricité renouvelable et de récupération qui est produite en Île-de-France. C'est une production du coup qui reste assez anecdotique par rapport à la consommation d'électricité. Ça représente un peu moins de 1% de ces consommations. Et donc on atteint environ 2% de l'objectif fixé à 2030 à l'échelle de la région. Malgré tout, au-delà de ces ratios théoriques, si on s'intéresse plus précisément au développement de la filière depuis 2011, le nombre d'installations a été multiplié par 2 et la production d'énergie donc injectée
par ces installations a été multiplié par 6 depuis 2011. Donc, ce qui reste non négligeable, c'est une filière qui est en fort développement. Ce qu'il est important aussi de remarquer, c'est de la répartition entre les très grosses installations, donc les installations haute tension, HTA, et qui sont des grandes fermes solaires au sol ou sur toiture, par exemple, et entre les petites installations, donc basse tension, qui sont Sonia, généralement des. on voit pas tes slides, apparemment ça passe mal. L'image est figée, il faudrait retirer la page de partage d'écran et recommencer. Voilà, tu vois, t'es pas en plein écran, c'est pour ça. Bah si, je suis en plein écran là. Bah pour nous, non, mais c'est bon. Par contre, il faut que tu fasses défiler tes slides parce que sinon t'es figé sur la première slide. Bah je quitte et je remets à chaque fois. Là c'est bon. Toujours pas. Pour moi, en tout cas, toujours pas. Bah je vais rester en petit. Et là? T'es toujours en. Non, non, t'es pas en plein écran là. Ce qu'il faut, Voilà, c'est je. faire défiler, quoi, sur tous les slides. C'est ce que je fais, Et ben, ou tu fermes et ouais. Okay. tu relances. Ouais, s'il te plaît, merci. J'en profite juste pour amener une petite précision. N'hésitez pas aussi dans le Q&A à déposer vos questions. Nous les parcourrons et il y aura un temps de réponse à la fin de chaque donc de chaque bloc d'intervention. Est-ce que c'est bon cette Vas-y. fois? Très bien, vas-y, Donia, c'est bon. Bah, je fais la même chose pourtant. Donc je disais, c'est important de regarder la différence entre les installations donc basse tension et les installations haute tension. Si on regarde la répartition du nombre d'installations, on voit que la quasi-totalité, plus de 99%, ce sont des installations basse tension. Donc il y en a plus de 18 000 en 2020. Les installations haute tension, il y en a très peu, il y en a 29. En revanche, si on regarde la répartition de l'énergie injectée par ces deux types d'installations, on voit que la répartition est à peu près de 50-50 en 2020. Donc c'est l'infographie qui est tout à droite. Et rien qu'en comparant par rapport à 2018, on voit que déjà cette part a augmenté puisqu'elle est passée pour les installations haute tension de 25% à 51%. C'est dû notamment au fort développement ces dernières années de grandes centrales solaires au sol qui représentent des productions très importantes par rapport aux petites installations et qui du coup pèsent beaucoup plus dans le bilan des productions malgré le nombre encore peu important de centrales solaires au sol. Donc ensuite c'est juste pour illustrer un petit peu donc ces exemples de différents projets qui existent. Donc ça c'est la ferme solaire d'Anet-sur-Marne en Seine-et-Marne qui a été inaugurée cette année. Donc elle n'est pas encore comptabilisée dans les chiffres que je viens de présenter juste avant. On peut aussi citer le projet de Meaux ou de Marcoussis qui ont vu le jour aussi récemment. Également, donc en plus des projets de fermes solaires qui restent assez emblématiques puisque ce sont des gros projets, c'est important de rappeler qu'il y a de nombreux autres projets qui émergent à plus petite échelle. Il y a des projets participatifs et citoyens, donc qui sont représentés sur cette carte. On voit en orange les projets photovoltaïques, citoyens et participatifs. Mais ça, je laisserai à Énergie partagée le soin de vous en parler un peu plus lors de son intervention. Pour ce qui concerne le gisement et les perspectives de développement de la filière maintenant, l'Institut a travaillé et continue de travailler sur l'analyse des gisements disponibles en Île-de-France pour informer, encourager et accompagner les acteurs dans le développement de différents projets solaires. La première étape, ça a été de modéliser les gisements solaires disponibles sur l'ensemble des toitures franciliennes. Donc, dans le cadre de ce travail, plusieurs éléments ont été pris en compte pour évaluer ce potentiel, à la fois le rayonnement solaire, la forme et l'encombrement des toits, par exemple, pour identifier sur chaque toiture précisément les zones intéressantes et modéliser, calculer le potentiel de production associé. Au total, c'est environ 140 millions de mètres carrés de surface utile qui sont disponibles sur les toitures d'Île-de-France. Et ça permettrait théoriquement de produire 17,6 TWh d'électricité, qui représente à titre indicatif à peu près 27% des consommations d'électricité. Bien sûr, c'est une approche maximaliste puisqu'on prend en compte donc les éléments que j'ai mentionnés qui sont rappelés en haut, mais on n'exclut pas les bâtiments qui sont par exemple qui sont concernés par une protection du patrimoine ou pour lesquels il y aurait des contraintes techniques permettraient de ne pas, enfin, qui ne permettraient pas de développer un projet. Donc après, c'est un travail de cas par cas qui est nécessaire pour chaque bâtiment, là c'est vraiment une approche maximaliste qui donne une indication.
Et comme le montre l'infographie, on voit que la majorité de ce gisement est disponible sur des toitures d'assez grande surface, donc qui permettent d'installer un certain nombre de panneaux pour avoir un volume de production important. Ce travail il a aussi été décliné donc pour chaque bâtiment selon une typologie fine en 17 postes qui permettent de décrire précisément la nature de chaque bâtiment. Ici, on a simplifié cette typologie en 7 postes et pour mettre en avant un petit peu les types de gisements par typologie de bâtiments. Donc on a une distinction notamment entre l'habitat individuel, l'habitat collectif, les activités économiques tertiaires, l'enseignement, les équipements, etc. Et donc on constate assez logiquement que à Paris, donc on a un beaucoup plus fort gisement sur l'habitat collectif et l'enseignement par exemple. Et plus on s'éloigne, plus il y a d'habitats individuels, de tertiaires et de grandes toitures de bâtiments agricoles ou d'entrepôts logistiques par exemple, présentent des gisements beaucoup plus importants. Et assez logiquement, on voit comme il y a beaucoup plus de grandes surfaces en périphérie, en grande couronne, le gisement est assez faible en quantité à Paris et beaucoup plus important en grande couronne. Donc ça, c'est un aperçu. Donc ce travail a été valorisé à travers une carte au vise, qui est l'outil de communication et de valorisation des travaux qu'on dispose à l'Institut. Donc il y a un outil en ligne qui permet de visualiser ce gisement à deux niveaux, à la fois au bâti, donc c'est l'aperçu qui est montré sur cette image, où on a des informations sur chaque bâtiment en cliquant dessus, selon, comme je l'ai dit, la typologie de bâtiment, le potentiel, la forme du toit, le nombre de panneaux installables, etc. Donc on a un certain nombre d'informations sur l'ensemble des bâtiments Île-de-France. Et on a un deuxième niveau d'analyse par territoire, donc sur les communes et les EPCI qui les englobent, avec une répartition du gisement à la fois en mètres carrés et en production, selon la typologie en 17 postes qui est rappelée ici. Et enfin, donc pour finir, quelques mots sur la poursuite des travaux, comme l'a dit Christelle en introduction. On va poursuivre ces travaux sur l'analyse des gisements disponibles au sol. Étant donné que le foncier présente un très fort enjeu en Île-de-France, la première étape qu'on a identifiée pour notre travail, c'est du coup d'identifier dans un premier temps les parkings pour focaliser le travail sur les projets d'ombrières de parking dans un premier temps, puisque ce sont des installations qui ne présentent pas particulièrement de conflits d'usage possible du sol avec d'autres projets sur d'autres thématiques. Donc c'est vraiment la première étape du travail. Et donc c'est en cours pour l'instant. On est en train de développer un modèle de repérage basé sur du deep learning pour identifier les parkings franciliens. Donc c'est un aperçu du travail en cours que vous pouvez voir ici. Voilà, merci à tous. Donc, effectivement, merci beaucoup, Dunia, pour ces éléments-là. Nous reviendrons sur les questions que vous lui avez fait remonter un peu plus tard. On va d'abord laisser la parole, donc c'est une co-présentation qui va être faite sur un retour d'expérience de l'île Saint-Denis. Il s'agit donc du développement d'une centrale de mobilité sur laquelle il y a eu une installation d'ombrières photovoltaïques. Donc, pour faire ce retour d'expérience, on a le plaisir d'avoir avec nous donc Monsieur Benoît Basque du CIPEREC et Valentine Ribeiro, donc de la SEM Pleine Commune. Donc, bonjour à vous. Donc, on va donner la parole d'abord à Valentine Ribeiro, qui va pouvoir nous recontextualiser un petit peu ce projet-là. Et puis, comprendre un peu quel a été le rôle, donc comment s'est fait l'articulation entre le CIPEREC et la SEM Pleine Commune. Entendu, merci. Donc je vais essayer de partager la présentation. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, il faudrait juste le mettre en écran. Mais on voit très bien.
Voilà. Ok, Super. merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Valentine Ribeiro, je suis chargée d'opération à la SEM Pleine Commune Développement et aménageur pour le compte de Pleine Commune. Le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui à deux voix avec le CIPEREC, il prend place dans une ZAC. Là, vous avez un peu une remise en contexte avec la ZAC, qui est l'écoquartier fluvial situé à l'île Saint-Denis. Pour recontextualiser, l'île Saint-Denis, c'est une commune à 3 km de Paris, donc dans le 93, limite 92. On a l'ambition de créer un nouveau quartier sur l'ancienne friche industrielle. Un quartier mixte avec des logements, des bureaux, des commerces, des équipements. C'est un écoquartier, du coup, il y a une ambition forte en termes d'innovation écologique et de développement durable. Avec aussi une situation particulière, vu que c'est une île, on veut ouvrir le quartier sur les berges, requalifier les berges de Seine, offrir une nouvelle offre de logement. Et une des particularités de cet écoquartier, c'est que c'est un quartier entièrement piéton. Donc, on a ce qu'on appelle des centrales de mobilité. Donc, en fait, c'est des parkings silos qui sont en entrée de quartier et qui vont gérer tout le stationnement quartier. Ces équipements-là sont des équipements publics de la ZAC. Donc, ils ont été réalisés, enfin, ils sont réalisés par la SEM en tant qu'aménageur. Puis ensuite, ils sont remis à la collectivité qui est Pleine Commune, qui reste propriétaire de ces parkings de quartier. Il a été fait le choix sur cette centrale de mobilité de réaliser une toiture photovoltaïque. Pour plusieurs raisons, pour bien sûr produire de l'énergie renouvelable dans une optique, dans un quartier qui prône fortement cette ambition, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de cet ouvrage, de traiter aussi qualitativement la cinquième façade, ce qui n'est pas toujours le cas dans un parking silo. C'était aussi un objectif de sensibilisation et de communication pour le projet. Vous avez aérienne de ce parking Sido en entrée de quartier qui du coup a accueilli une toiture photovoltaïque. Il faut aussi peut-être dire c'est qu'au départ on voulait mettre des panneaux sur l'ensemble des bâtiments, mais on s'est rendu compte que c'était pas très intéressant parce que ça faisait beaucoup un morcellement en fait des toitures photovoltaïques. Surtout que c'est pas évident de les mettre sur des copros privés. C'est pour ça qu'on a fait le choix de rassembler les panneaux plutôt sur l'équipement public. On va en parler ensuite. On a un montage où c'est les promoteurs qui ont aussi contribué à la construction des supports de panneaux. Pour le montage de ces panneaux, montage opérationnel, on a deux types de travaux. Les supports des panneaux ont été intégrés dans la construction de l'ouvrage, donc ils ont été réalisés par la SEM Pleine Commune Développement. C'est tout ce qui est charpente et bac qui servent de support aux panneaux. En revanche, la pose des panneaux en eux-mêmes et puis ensuite sa gestion a été faite par le CIPEREC. Au niveau du montage juridique, ça peut peut-être intéresser les collectivités vu qu'on est sur un équipement public. On a une convention de superposition d'affectation, c'est-à-dire que l'affectation principale du bâtiment, ça reste le stationnement et ses propriétés de l'EPT Pleine Commune. Mais il y a une affectation secondaire qui est la production d'énergie renouvelable avec une exploitation par le CIPEREC. Et du coup, c'est ce qui permet de gérer les accès au bâtiment grâce à cette convention. Voilà, je vais peut-être maintenant laisser la parole au CIPEREC pour plus rentrer dans le détail du projet. Merci Valentine. Je me présente, Benoît Basque. En fait, je suis en charge du développement de l'activité photovoltaïque au sein du CIPEREC. Le CIPEREC, c'est un syndicat intercommunal d'énergie, francilien. C'est 15 années d'expérience auprès de 60 collectivités
francilienne. C'est actuellement, on exploite 101 centrales sur 50 villes pour une puissance cumulée de 5 mégawatts crête. Donc il y a 45 centrales qui ont été réalisées en propre, donc en maîtrise d'ouvrage par le CIPEREC, et 56 centrales qu'on exploite pour le compte de collectivités. Voilà, la centrale de mobilité, ça a été pour nous la 100e centrale qui a été réalisée et mise en service. Actuellement, on a encore des projets qui sont en cours de développement. Voilà. Pour la suite, le CIPEREC, en fait, au niveau des collectivités, il propose trois outils. Donc, tout d'abord, c'est des missions de maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'opérations photovoltaïques. Soit portées par la collectivité, soit portées en propre par le CIPEREC. On fait aussi des missions d'assistance technique et administrative. Pour des opérations beaucoup plus lourdes où il y aurait un lot photovoltaïque. Et puis, notre troisième outil, c'est l'exploitation des centrales, donc soit des centrales qu'on a construites, soit des centrales qu'on a récupérées auprès de collectivités. Donc, pour le cas de cette centrale de mobilité, donc c'est une installation que le CIPEREC a portée en maîtrise d'ouvrage, voilà, suite donc à la construction de la centrale de mobilité. Notre choix s'est porté sur une centrale de 100 kW crête. À la genèse de l'opération, on était plus on comptait installer, je crois que c'était jusqu'à 132 kW crête. Et puis, pour éviter de passer par les appels d'offres creux, on s'est volontairement limité à ce seuil de 100 kW crête. Donc, on voit bien là sur cette vue les panneaux, et effectivement, il reste un pan qu'on n'a pas du tout exploité volontairement. Si tu peux passer sur la slide suivante. Voilà, donc les chiffres de l'opération. Globalement, donc Valentine l'a rappelé, il y a eu dans le cadre de l'opération de création de la centrale de mobilité une somme qui a été investie donc par la SEM Pleine Commune Développement pour la pose des supports. Le CIPEREC est arrivé derrière. Donc pour la pose de la centrale en elle-même, donc pour un montant enfin, grosso modo de 140 000 euros TTC. Ce financement, donc il est pour partie fait par le CIPEREC, le PT Pleine Commune et la SEM Pleine Commune Développement, la région Île-de-France et la Caisse des dépôts. L'exploitation actuellement est portée par le CIPEREC. Donc c'est une centrale où on a une production attendue d'à peu près 95 mégawattheures par an, un productible de 950 kWh par kilowatt crête. C'est un productible en fait qu'on va des fois juger un peu faible, mais globalement au vu de notre expérience justement sur l'exploitation, on s'aperçoit que on est vraiment sur ces ratios d'à peu près 900 kWh par kilowatt crête. Voilà. Les acteurs de ce projet, donc ça a été bah, tout d'abord le PT Pleine Commune, la SEM Pleine Commune Développement, donc le CIPEREC qui a assuré un maître d'œuvre Altéréa, contrôleur technique et CSPS, donc qui était Qualiconsult et CCR BTP, une entreprise de travaux. Qui était Sunvie, et sans oublier l'exploitant du parking qui nous a accueillis et qui a facilité les travaux aussi, qui est Transdev. Donc, en phase d'étude, il a été nécessaire vraiment de se coordonner les maîtrises d'œuvre pour valider les choix des éléments de couverture, parce que comme on est sur un ERP, il faut absolument avoir des systèmes compatibles, enfin des systèmes avec avis technique. Donc ça veut dire que les systèmes de fixation de panneaux photovoltaïques doivent être compatibles avec les supports qui les reçoivent,
Et donc le choix s'était porté sur donc des bacs acier d'ArcelorMittal et donc un système qui s'appelle Comet A d'ArcelorMittal pour fixer les panneaux. Donc la phase travaux a commencé en juillet 2020, elle s'est finie grosso modo en septembre 2020. Il a fallu à peu près 3 semaines, réellement il a fallu à peu près 3 semaines pour faire 90% des travaux. Et puis après, au fur et à mesure de l'été, on a eu les petits travaux de finition jusqu'à la réception. À savoir que ça a été une période assez compliquée puisque on était en sortie de confinement. Voilà, période un petit peu complexe pour pouvoir réaliser les travaux. Et donc, la mise en service a été effective par Enedis en juillet 2021. Donc, on a eu quelques écueils et quelques difficultés pour pouvoir arriver jusqu'à la mise en service. Alors, qui était dû à des facteurs divers et variés, mais globalement, on a dû des Enedis, on a toujours eu des. Mais ça a tardé un petit peu. D'exploiter qui a été validé par une commission de sécurité en septembre 2021. Et donc on a attaqué l'exploitation depuis septembre. Qui a été mise en œuvre. Donc c'est des panneaux Recom Silia de 300 kW crête pour une puissance voilà ce que je j'avais dit tout à l'heure, 100 kW grosso modo. On a deux onduleurs Huawei, donc sur deux, de 33 et 60 kVA. Monitoring par Webdinson et diffusion des informations sur un écran qui est au rez-de-chaussée de la centrale de mobilité, ce qui permet aux usagers de pouvoir avoir la visibilité de la production instantané de cette centrale. Voilà. Donc on a quelques photos justement de la construction. Et je pense qu'on est arrivé au bout de la présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors effectivement, du coup, c'était assez riche et ça a éveillé beaucoup de curiosité chez les participants. Donc, je vous propose effectivement de pouvoir répondre à leurs questions. On va d'abord juste, si c'est possible, intégrer aussi Dounia à cet échange-là. Dounia Yassine, tu vas pouvoir du coup aussi revenir sur les premières questions, qui avaient été posées par rapport à sa présentation. Je peux commencer à répondre à certaines questions. Je vais Oui, les identifier. c'est bien. Vas-y. Si tu les as bien identifiés, je te Ouais. laisse peut-être reformuler la question aussi pour que tout le monde puisse suivre. Oui. Alors, il y avait une première question sur est-ce qu'il est possible d'identifier le nombre de mètres carrés pour lesquels il n'est pas possible d'installer du panneau solaire à cause de sites protégés ou autres contraintes? C'est possible, mais par contre, donc attention, on indique sur la cartographie en cliquant sur chaque bâtiment qui est concerné par une zone de protection du patrimoine, par exemple. Donc, on peut nous effectivement extraire ce chiffre au total sur la région. Par contre, attention à l'interprétation, ça ne veut pas dire qu'une installation est impossible pour autant. Il peut y avoir simplement des préconisations de la part de l'architecte des bâtiments de France, par exemple. C'est pas une interdiction formelle, c'est simplement qu'il peut y avoir des difficultés. Dans la procédure ensuite. Ensuite, on avait des questions sur pouvons-nous extraire le potentiel sur un tel territoire? Donc, c'est tout à fait possible, on peut nous fournir les données, il suffit simplement de signer un acte d'engagement et on peut vous fournir les données brutes au format taux. Ou alors, si vous avez besoin d'extraction plus simplifiée, on peut aussi
regarder ce qu'il est possible de faire. Et enfin, j'avais noté aussi, est-ce que les 140 millions de mètres carrés comptabilisent les toitures non exploitables car trop encombrées ou avec des ombres portées? Non, justement, ces 140 millions de mètres carrés ne comptent pas les toitures-là puisqu'il s'agit vraiment des surfaces utiles. Donc, on a bien identifié uniquement les toits qui sont correctement exposés, donc avec un rayonnement solaire suffisant, qui ne sont pas encombrés, qui ont une surface suffisante puisque c'est trop petit, on ne peut pas mettre de panneaux. Donc, on a bien éliminé toutes les toitures qui présentent des contraintes éliminatoires, on va dire. Je pense que j'ai répondu à la majorité. Oui, il me semble. Et il y avait juste une question aussi, donc à laquelle je peux répondre aussi. C'était, il faut juste que je la retrouve, sur la cartographie qu'on a montrée avec les projets participatifs et citoyens. Effectivement, elle date de 2019, elle n'est pas actualisée. Donc, s'il y a certains projets qui ont été abandonnés, arrêtés ou repris par d'autres structures, je ne sais pas, c'est vrai que c'est des détails qu'on n'a pas encore. Il faudrait qu'on l'actualise et qu'on retourne vers les différents acteurs du territoire pour voir ce qui se passe exactement et qu'on puisse ajouter plus d'informations sur. Je vous propose, si c'est possible, Monsieur Basque ou Madame Ribeiro, de repartager votre présentation, parce que dans les questions que je vois, c'est vrai qu'il y aurait peut-être des éléments qui avaient été mis en avant dans votre présentation qui pourront être utiles. Alors, première question, c'était donc pour pouvoir remettre. Attendez, je me permets juste la lumière. Donc, la première question s'était adressée au CIPEREC, c'était pour avoir une précision sur le fait que le CIPEREC est-il vraiment propriétaire des panneaux. Donc, Monsieur Basque, alors, je vous laisse répondre. Oui, dans ce type d'opération, le CIPEREC est propriétaire de l'installation. Ensuite, il y avait une question sur, effectivement, Madame Ribeiro, au tout début, vous aviez expliqué que, à la base, l'installation était plutôt morcelée. Et donc, la question, c'était de savoir, est-ce que sur ces bâtiments sur lesquels vous envisagiez initialement du PV, ça pourrait être toujours des projets envisagés ou pas du tout? Alors effectivement, au départ, on a des ambitions fortes sur la ZAC, sur les bâtiments, qui doivent être exemplaires en termes de développement durable. Et donc, il y avait des performances énergétiques à atteindre par bâtiment. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était plus intéressant de mutualiser cette production énergétique sur un bâtiment avec une surface plus grande. Parce qu'en fait, on a des bâtiments, c'est des toutes petites copros sur l'île Saint-Denis, c'est environ 50 logements, en fait, le bâtiment. Donc, en fait, on avait très peu de surface de toiture. Donc, ce qui a été fait, c'est un montage un peu particulier où les promoteurs ont financé les panneaux, mais sur la centrale de mobilité, donc sur l'équipement public, au lieu de le financer sur leur bâtiment. Donc, ça, c'est sur la phase 1, mais après, on a aussi les phases 2 et 3 de l'écoquartier. Et donc, on a, parce que bon, ça, c'était il y a quand même quelques années, en fait, c'était en 2015-2016, le temps ensuite de construire la centrale 2018-2019. On était quand même il y a longtemps, on n'avait pas trop de recul aussi sur le photovoltaïque. Là, on a commercialisé il y a 2 ans les phases 2 et 3 de l'écoquartier. On s'est reposé cette question de savoir sur les bâtiments, est-ce qu'on impose aux promoteurs du photovoltaïque. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il y en aura effectivement sur les autres bâtiments, notamment sur les bureaux, on impose le photovoltaïque et il y en aura également sur la centrale de mobilité numéro 2. Donc, on a un peu étendu le dispositif, mais voilà, il faut se rappeler qu'en 2015-2016, les contraintes n'étaient pas forcément les mêmes. D'accord. Je vous remercie pour ces précisions, effectivement. Donc, on peut voir qu'au cours de la réflexion d'un projet, on voit bien que on pèse le pour et le contre, on ne peut pas tout faire, et puis il y a parfois quelques solutions qui sont plus pertinentes que d'autres. Dans la poursuite de ces questions-là, justement,
Il y avait une question sur la dimension de l'installation photovoltaïque. Certaines personnes trouvent, donc il y a une question sur le fait que la limitation à 100 kW crête est peut-être dommage. Est-ce que vous envisagez une extension au vu de l'évolution réglementaire à 500 kW crête? J'ai l'impression. Oui. Actuellement, en fait, on n'en parle pas forcément. De toute façon, avec la règle du P plus Q, on est limite, enfin, on est bloqué pendant au moins 18 mois. C'est pas quelque chose qui est envisagé pour l'instant. C'est vrai que nous l'idée c'est que une fois que la centrale est faite, on passe à la suivante et on revient pas forcément. Après, on s'interdit rien, mais actuellement on voit pas spécialement l'utilité d'aller rajouter 30 kilos puisque finalement grosso modo c'est à peu près l'espace qui nous reste kilos sur l'installation existante. Une autre question un petit peu technique sur l'installation. Est-ce que vous avez évalué un peu l'impact en équivalent CO2 émis et est-ce que c'est des données qui sont accessibles? Alors, je vous avoue que pas du tout. On n'a pas du tout regardé l'impact CO2. Par contre, on a choisi quand même délibérément des panneaux, alors pas fabriqués mais assemblés en France sur une usine de Bretagne. On essaye quand même de rentrer dans une démarche un peu vertueuse quand on peut et quand l'économie du projet nous le permet. Justement de pouvoir faire travailler des entreprises françaises. Oui, on voit effectivement que le développement un petit peu de la filière française, c'est quand même un axe assez fort et qui est encouragé à l'échelle nationale pour pouvoir justement développer encore plus cette ENR et pouvoir atteindre les objectifs nationaux qu'on s'est fixés de la manière la plus vertueuse possible. Alors, il y a une autre question sur l'intégration des promoteurs au projet. Comment ont-ils concrètement participé sur cet équipement public? C'était une participation financière pour du coup non-réalisation des panneaux sur les bâtiments privés. Il y avait aussi une question plutôt économique. Est-ce que vous auriez en tête ou est-ce que vous pourriez remettre en avant le TRI du projet? Et est-ce que ce projet, vous pensez qu'il aurait été viable sans les subventions de la région? Calculé sur des TRI de 20 ans. Avec l'idée de s'amortir sur cette durée de 20 ans. Actuellement, les modèles ne avoir un TRI à ce niveau-là sans les subventions de la région. D'accord. Ou sans soutien public, en tout cas. Donc après, il y avait des questions sur un peu plus des précisions sur les coûts. Je pense que vous y aviez répondu dans votre présentation. Une autre question. Alors, un instant, je remonte parce qu'il y en a eu d'autres entre-temps. Donc sur les onduleurs, est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux de prévoir un onduleur par panneau? Techniquement, est-ce que ça change le choix que vous avez fait? Allez-y, je vous en prie. C'est plus facile d'intervenir deux onduleurs que d'intervenir. Il y a 320 panneaux, donc sur 320 onduleurs. Disons que dans nos plans d'exploitation, on garantit. Puisque l'onduleur est la partie la moins fiable de la centrale,
Sachant qu'un ondulé, généralement, en moyenne, tous les 8 à 10 ans, on prend des extensions de garantie, voilà, sur 20 ans. On intervient en maintenance, on n'intervient que sur deux équipements et pas donc sur les 320. Donc, il y avait aussi une question. Est-ce qu'il est possible de visiter l'installation? Est-ce que vous prévoyez des visites ou pas pour l'instant? Bah, c'est apparemment Alors, très on bien. prévoit Pardon. de visite. Et voilà, c'est un parking public, effectivement. Tout le monde peut y aller. Mais peut-être, effectivement, je pense qu'il y avait la volonté d'avoir quelqu'un pour refaire un petit peu un retour sur le projet. Mais bon, effectivement, c'est un bon point. C'est que pour le coup, au niveau communication, c'est assez efficace puisque c'est sur un espace public. Et donc, tout le monde peut y accéder. Donc, une autre question. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas retenu le modèle d'autoconsommation sur ce projet-là? Est-ce que ça aurait pu être intéressant peut-être d'envisager des bornes de recharge? J'imagine que c'est la question, des bornes de recharge pour les véhicules électriques et pourquoi pas aussi la consommation d'un bâtiment proche. Oui, peut-être que là-dessus, c'est vrai que Alors, c'est bien. Ah, allez-y, puis je compléterai ça. non, mais je laisse Valentine, Non, c'est parce y a qu'en pas de fait, on est en souci. train de se poser cette question pour la deuxième centrale de mobilité, puisqu'on est en train de réfléchir à la toiture sur la deuxième centrale. En fait, les besoins d'autoconsommation pour un parking silo, ils sont très faibles. Donc effectivement, la question qu'on essaye de travailler, c'est peut-être de s'en servir avec les systèmes de batterie de voiture qui pourraient servir d'autoconsommation. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, c'est un système qui n'a pas de modèle économique et qui est assez compliqué parce qu'en fait, il suppose que ensuite le gestionnaire de l'équipement fasse le lien entre les particuliers des batteries et les besoins du bâtiment. Enfin, donc en fait, pour l'instant, on n'a pas de système où notre idée, c'était que ça serve à l'équipement par les batteries de voiture qui se chargeraient dans la journée et le soir qui restitueraient l'énergie produite à l'équipement. Mais ça, c'est aujourd'hui, on n'a pas trouvé de système viable économiquement. Après, on se dit peut-être qu'on peut avoir une petite quote-part d'autoconsommation et rejeter la majorité au réseau. Mais c'est une vraie question qu'on est en train de creuser, mais qui n'est pas évidente. Mais je laisserai peut-être Monsieur Basque compléter. Oui, alors, enfin, globalement, vous avez à peu près tout dit. C'est vraiment une question de modèle économique. On a fait le choix, nous, d'injecter l'intégralité au réseau. Après, pragmatiquement, il faut se dire que l'énergie, elle est ultra feignante, c'est-à-dire que, elle va sortir du compteur et elle va re-rentrer là où il y en a besoin. Donc, même si on n'est pas sur de l'autoconsommation en tant que telle et sur ce modèle défini par Enedis, globalement, l'énergie produite, consommée par le parking et bah, finalement par les logements qui sont juste en face. Donc, voilà, c'est juste une question de modèle économique qui nous a fait porter ce choix de vente totale de l'électricité. Mais sur des urbains, l'énergie, elle est consommée par l'environnement direct. Et du coup, ça fait le lien avec une autre question qui a été posée également sur les logiciels de supervision. Est-ce que vous en utilisez actuellement et est-ce qu'il y a un suivi du coup de la production de cette installation? Et si oui, quel Oui, logiciel? on a un logiciel. Voilà, on a un logiciel qui harmonie, enfin, regroupe les 101 centrales qu'on exploite. Donc, on travaille avec Epis, voilà, le kiosque Epis qui nous permet visibilité sur et on a du personnel à demeure
justement, qui, dans le cadre de l'exploitation, regarde tous les jours et intervient rapidement pour les tous les écueils d'exploitation qu'on peut avoir, quoi. Donc, c'est essentiellement des disjonctions de centrales, mais voilà. Merci beaucoup. Encore quelques questions et puis ensuite je vous libérerai. C'est qu'il y a eu beaucoup de réactions par rapport à votre intervention, donc on ne pourra pas traiter toutes les questions. On pourra par contre vous les transmettre et puis essayer de faire un retour le plus synthétique possible. Il y avait une question sur les freins et les difficultés rencontrées dans ce projet. Est-ce que vous en avez quelques-uns en tête qui seraient majeurs à partager en retour? Bah, peut-être une des difficultés, c'est Alors, que... Ouais, allez-y. Pardon. non, mais justement, je voulais vous laisser la parole, donc. du coup, c'est vrai que peut-être une des difficultés, c'est qu'on a la décision d'ajouter une toiture photovoltaïque, elle est arrivée postérieurement à la conception du projet par les architectes. Donc, il a fallu l'intégrer, enfin, le PC avait déjà été obtenu, il a fallu l'intégrer a posteriori. Et donc, il a fallu définir toutes les mesures conservatoires avec toutes les parties concernées, maîtrise d'œuvre, entreprise, bureau de contrôle, pompier, alors même que les travaux de la centrale étaient déjà en cours. Donc, ça, c'est quelque chose justement dont on a tiré leçon sur la centrale de mobilité 2. On essaye vraiment voilà, de l'intégrer dès la conception, là, avec la maîtrise d'œuvre. Et du coup, cette décision a posteriori, elle avait nécessité une demande d'autorisation administrative spécifique avec une autorisation de travaux sur ERP au regard de la sécurité incendie notamment. Et donc, c'est vrai que ça, c'était un peu compliqué. Après, je pense que c'était aussi, mais dû à notre montage, il y avait l'enchaînement des travaux qui a été pas forcément évidente. Nous, on a fini la centrale et après d'enchaîner sur les panneaux. Voilà un peu les points que je vois. Oui, on a eu aussi quelques difficultés mais qui étaient de l'ordre juridique et qui sont vraiment inhérentes en fait à notre activité propre. Si nous, on est un syndicat intercommunal, donc on est là pour suppléer les communes sur la compétence électricité. Là actuellement, donc enfin sur ce projet-là, on a travaillé avec un étal. Donc, qui ne rentre pas dans le cadre de en général, donc on a dû trouver des montages qui nous ont permis de pouvoir assister justement et de pouvoir créer cette centrale de mobilité presse. Sur la partie travaux, on n'a pas eu vraiment d'écueil. Ça a été très facile en dev et projet. Voilà, ça a été vraiment la période Covid qui a été un petit peu difficile pour faire le démarrage des travaux. Et puis le post-Covid avec la réorganisation, enfin, une réorganisation au niveau des services d'Enedis. Pour la mise en service. Mais c'est un chantier qui a été relativement et sans trop d'écueils. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question pour Dounia Yassine. Donc c'était en réaction par rapport aux gisements qui ont été présentés. L'un des participants soulignait qu'effectivement, actuellement, il y avait beaucoup, il y avait un engouement sur le photovoltaïque au sol et surtout sur les terrains naturels ou agricoles. Est-ce que il y a voilà, des pistes de réflexion pour inverser cette tendance? Quelles sont les réflexions en cours et puis les éléments qu'on peut partager actuellement en tout cas, sur ce sujet? Bah effectivement, sur le sol, aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, c'est un travail en cours. Donc,
pour l'instant, on est bien conscient qu'il y a des forts enjeux et des conflits d'usage sur différents terrains, notamment les terrains agricoles, les terrains naturels, etc., pour limiter l'artificialisation. Il me semble que l'ancien SDRIF interdisait les installations sur sol agricole. En tout cas, ce n'était pas recommandé. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a commencé la réflexion sur les parkings. Toute la réflexion sur le sol de manière générale, il faudra intégrer un certain nombre d'acteurs et réfléchir vraiment à ces problématiques pour développer au mieux et en lien avec les autres usages le développement des centres. Ça répond très bien. En tout cas, c'est vraiment une problématique qui est prise en compte pour l'analyse des potentiels au sol en cours. Merci beaucoup. Peut-être une dernière remarque aussi d'un participant. Pour clôturer, donc, qui signale qu'il y a une étude récente en mai 2021 d'Enerplan, qui est une étude photovoltaïque et mobilité électrique. Donc le titre, c'est « Étude photovoltaïque et mobilité électrique, quelle synergie pour la transition énergétique ?» Donc voilà, vous trouverez le lien dans les questions qui ont été posées. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, pour votre intervention. Et puis, écoutez, on vous fera remonter les dernières questions qui sont restées sans réponse. Pour la plupart, tout a été parcouru. Les présentations, je le répète, seront partagées sur notre site Internet avec tous les éléments qui ont été mis donc dans ce visuel. Et puis, bien sûr, nous resterons à votre disposition pour toutes les questions à venir. Après cette conférence. Donc, je vous propose de passer à la table ronde suivante. Donc, cette table ronde, comme je le disais plus tôt, elle a vocation à revenir un petit peu sur l'évolution de la filière photovoltaïque. Pour comprendre un petit peu comment se coordonnent les acteurs, les experts, et puis comment certaines évolutions, notamment par exemple juridiques, peuvent impacter les modèles économiques, et inversement, comment est-ce que une implication citoyenne peut encourager certaines mesures ou en tout cas interpeller les preneurs de décisions. À l'échelle nationale pour pouvoir soutenir les dynamiques en cours. Donc, on va avoir Pascal, si tu veux bien activer les caméras, en tout cas de nos intervenants, pour qu'on puisse les avoir. Donc, voilà. On a donc Monsieur Jouigny, qui est du CEA. Donc le commissariat des énergies atomiques et aussi des énergies alternatives, donc qui va nous éclairer un peu plus sur qu'est-ce que le photovoltaïque aujourd'hui, les idées, un peu déconstruire certaines idées préconçues, et puis nous revenir un petit peu sur les innovations, leur impact actuellement sur la filière, l'évolution des coûts, enfin voilà, je lui laisserai la parole pour puisse nous éclairer là-dessus. Nous aurons aussi l'intervention donc de Florian Ferjou, qui est avocat au cabinet Gaussement. Donc il va pouvoir revenir un petit peu sur tout l'éclairage juridique. On a vu effectivement qu'il y avait eu beaucoup d'évolutions ces dernières années et ces derniers mois même. Ensuite, nous aurons une intervention d'Enedis, donc avec Madame Sylvie Morand, qui reviendra un petit peu plus sur l'autoconsommation. Donc, qu'est-ce que l'autoconsommation et l'autoconsommation collective également. Et puis aussi sur l'apport des solutions avec batterie aussi dans ces modèles-là. Nous aurons l'intervention d'énergie partagée, donc qui reviendra un peu plus sur la dynamique citoyenne et puis les dernières évolutions face à tous les éléments qui sont remontés, que ce soit réglementaire ou technologique. Donc voilà, je vais laisser la parole à Monsieur Jouigny. Monsieur Jouigny, vous pouvez partager votre présentation si vous le souhaitez.
Super. Non, restez. Je partage. Partager l'écran. Voilà. Bonjour à tous. En principe, vous voyez ma présentation. Enfin, je l'espère. Est-ce que c'est le cas? En plein écran, s'il vous plaît. Est-ce que là, vous me voyez en plein écran? Non. Voilà, duplique. Voilà, merci. J'enlève le... Ah, pourquoi j'enlève? Là. On a perdu la présentation, monsieur Jouigny. Ouais, j'ai appuyé sur le bouton masquer ou arrêter le partage, et donc du coup, je ne fallait pas le faire. Donc là, est-ce que vous voyez pour l'instant, normalement, le partage y est. Voilà, impeccable. Là, est-ce que c'est bon? Oui, oui. D'accord. Parfait. Ben, écoutez, merci à tous, hein, merci à la REC pour cette belle opportunité. Pour moi, en tant que spécialiste dans le domaine, je vous mens pas quand je vous dis j'apprends toujours. Et pendant les deux interventions des collègues ce matin, donc je vois à peu près le lien entre ce qu'on fait nous dans nos laboratoires et la vraie vie en fait. Qu'est-ce qu'on voit en fait le sort de nos développements et vraiment les questions qui se posent. Je vais essayer de répondre à quelques-unes. Donc je me présente. Je m'appelle Annie Jouigny. Je fais partie du COA. Donc le COA, c'est notre métier, c'est vraiment l'innovation pour l'industrie. Nous sommes à peu près 20 000 chercheurs en France. Et puis nous avons une forte vocation à sortir des brevets pour protéger nos innovations. Et les innovations qu'on sorte, c'est vraiment au service de l'industrie. Donc je dirige l'Institut national d'énergie solaire. On est basé du côté de la Savoie, donc entre Chambéry et le Bourget du Lac. Vous voyez le lac juste à côté. Et puis, vous voyez sur la longueur nos différents bâtiments. Dans ces bâtiments, donc, il y a à peu près 500 chercheurs qui travaillent dans le développement de la cellule de demain, dans le développement des produits intégrés, d'électronique de puissance pour accompagner le module pour son intégration, donc une intégration intelligente dans le réseau, et puis l'architecture des centrales solaires, que ce soit au sol, ou sur les toitures commerciales et industrielles, et bien évidemment intégrées au bâtiment des particuliers. Donc on a une activité qui est très orientée hardware, et une activité qui est orientée software, qui est orientée vraiment développement de ce qu'on ne voit pas. Parce que tout de suite on se retrouve, j'ai entendu la question qui a été posée, pourquoi on utilise un onduleur et on n'utilise pas des micro-onduleurs? Donc la nécessité d'un micro-onduleur, elle s'impose dans certains cas, et la nécessité d'un onduleur s'impose dans d'autres cas. Mais si on essaie de combiner les deux, avec deux types de modules, avec deux types d'utilisation, connectés réseau ou pas, on se retrouve tout de suite vers un système qui est un peu complexe, multisystème et multiphysique. Et à ce moment-là, c'est vraiment les logiciels qui gèrent à notre place et que nous, on les alimente avec des algorithmes qu'on développe en interne. Donc, un mot, si vous avez l'occasion de passer dans la région pour le ski en visite, n'hésitez pas à nous faire signe, on vous fera visiter nos installations. Ça reste ouvert, j'ai aussi entendu la question, est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on peut visiter. Vous voyez par exemple ici, vous voyez la souris, donc là on récupère les meilleurs modules qui existent sur Terre pour les installer et voir ce qu'ils produisent en temps réel et on compare nos innovations à ces modules qu'on appelle les best in class. Donc vous aurez vraiment une opportunité de se familiariser avec tout ce qui se fait autour des modules photovoltaïques, des batteries et de leur intégration. Donc, si je reviens sur le contexte international, on a un seul graphe qui était essentiellement préparé par l'Agence internationale d'énergie. Nous avons vraiment un potentiel très, très fort. Le solaire, c'est la carte qui change tout. C'est vraiment une énergie, les dernières centrales installés dans des pays de la zone MENA, là on a beaucoup de soleil et des terrains disponibles avec un coût abordable d'argent, on arrive à se retrouver en dessous de 10 euros le mégawattheure, avec des industriels français qui sont impliqués dans ces consortiums. Oui, mais ça c'est dans des pays, il y a beaucoup de désert, beaucoup de soleil. Eh bien, on est en dessous de 20 euros dans d'autres destinations, d'autres pays européens, comme le Portugal par exemple. Donc vraiment, le coût aujourd'hui
c'est vraiment devenu très très bas, et ça c'est grâce à deux choses, beaucoup d'innovation, et puis après ce qu'on appelle la mise à l'échelle ou la scalabilité, c'est qu'on a beaucoup installé, ce qui permet à une énergie qu'on installe d'avoir toujours d'injecter un peu d'argent gagné dans l'innovation et de continuer à la développer. Pour vous donner l'ordre de grandeur, en fait, en France aujourd'hui, nous avons 11 gigawatts. Dans le monde, il y a plus de 750 gigawatts. Ça veut dire qu'on est en train de passer d'une ère à une autre, à une nouvelle ère, là où le solaire vraiment s'imposera dans le monde. Le patron de l'Agence internationale d'énergie disait, la première source d'énergie solaire en Europe d'ici 2025, ça va devenir le solaire. Et donc, on est en train de passer du monde des gigawatts au monde des terawatts. Donc, on va compter en milliers. Donc, la question et les débats aujourd'hui, ce n'est pas d'opposer une énergie à une autre, ou d'opposer l'hydro au solaire, ou à l'éolien, ou au nucléaire. Non. La question aujourd'hui, comment faire cohabiter ces différentes sources d'énergie? Et je trouve que la France, c'est vraiment parmi les pays les mieux placés. Avec une forte présence sur le nucléaire, bien évidemment, l'éolien au nord, le solaire au sud, essentiellement du côté de Bordeaux, Toulouse et de cette zone-là, et puis après l'hydro. Donc nous, on est en région Rhône-Alpes et on voit la place de l'hydro dans ce système énergétique. C'est vraiment de trouver cette équation, comment le nouveau système énergétique français, qui sera moderne. J'ai entendu des gens qui posaient des questions sur l'empreinte carbone. Et qui aura une empreinte carbone la plus faible et qui sera vraiment démocratisée. Donc, les différents scénarios montrent qu'on va vraiment passer. Elles montrent deux choses. On a différents scénarios. Les gens ont du mal à prédire l'avenir, tellement ces énergies renouvelables avancent très, très vite. Et on voit des approches citoyennes, des collectivités, des États qui se mobilisent et des industriels derrière. Juste quelque chose qui m'a marqué ces derniers temps, avec Biden au pouvoir, il a annoncé que d'ici 2035, 40% de l'énergie aux États-Unis va être du solaire, contre aujourd'hui 3% uniquement. C'est vraiment on ne parle pas d'évolution, on parle de révolution. Quand on regarde l'Europe, c'est quasiment, on va passer à 30 gigawatts annuels. En France, on est à 3 à 4 gigawatts. Et là, il y a une deuxième question qui se pose. Est-ce que, vous voyez bien la figure de gauche, est-ce que vraiment on importe tout de Chine? Où il y a vraiment de la valeur ajoutée, et puis il y a des choses qu'on peut faire sur le territoire, avec l'industrialisation possible, avec des modules qui sont quand même, ils ont un certain poids, là où le transport coûte énormément. Pour vous donner une idée, le coût du transport dans un module photovoltaïque, avant 2020, c'était 2 à 3%. Aujourd'hui, il est monté jusqu'à 20 à 30%. Vous avez entendu, en fait, l'augmentation. On vous entend plus. On vous entend plus. Vous êtes bloqué. C'est Chouini. Nargis reprend la main. Oui, alors effectivement, on a un petit souci. On va attendre juste une ou deux, une petite minute. Si ça ne revient pas tout de suite, on avisera, on passera peut-être à l'intervenant suivant et on reviendra sur la présentation de Monsieur Jouyny. Donc vous pouvez toujours continuer à poser vos questions. Nous, on les fait remonter ensuite à la fin de chaque période. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi, je vous ai perdu? Oui, vous avez perdu. Effectivement, On vous a perdu. d'accord, désolé. Vous Est-ce pouvez. que là c'est bon? Mettez-vous en plein écran, Alors. s'il vous plaît, monsieur. Ah ben parfait. Donc oui, j'étais en train de détailler la partie. Vous m'avez perdu avant ce slide ou après? On était sur ce À slide ce de là. slide, exactement. D'accord. Vraiment, le message ici, c'est qu'il y a une opportunité pour récupérer l'industrialisation en Vous n'êtes pas en France. plein écran, hein. C'est des composantes qui restent lourdes et ça sert à rien de les produire à l'autre bout du monde. Et donc on voit le potentiel aux US, c'est qu'aujourd'hui ils ont 3% d'énergie de source solaire et ils ont une ambition de passer à 40% en 2035 et 50% en 2050.
avec le fameux plan de Bring Business Back de Biden. Donc, et nous, on a un potentiel 3 à 4 gigawatts si on se colle à la PPE. Donc, un point très important, derrière les renouvelables, il y a vraiment, vraiment, vraiment une opportunité sociale et économique. Et surtout, création d'emplois. C'est la première source de création d'emplois dans les énergies renouvelables aujourd'hui. Et si vous regardez les rapports de l'IRENA, ils vous donneront les chiffres, ça se compte au nombre de millions par an. Je vous ai donné un exemple de à quoi ça ressemble une cité qui a misé sur le renouvelable au Japon. Et ça, si vous voyez le Mont Fuji derrière, c'est vraiment, ça a été collectif, initiative citoyenne. Ça peut s'intégrer vraiment dans le paysage d'une façon parfaite. Et là, vous avez un exemple très parlant qu'on aimerait bien voir autour de nous dans la région Île-de-France. Vous avez cité le module, on l'a niveau standard, mais également le module, il peut s'adapter. Il y a beaucoup d'innovations dessus. Le module de base pèse 10 à 12 kg au mètre carré. Donc, on était capable d'innover avec PhotoWatt EDF ou avec, pour des applications spécifiques, avec une deuxième entreprise en Auvergne, donc Rhône-Alpes, c'est de descendre le poids à 6 kg, voire à 4 kg, pour s'adapter à des entrepôts qui ont une structure fragile qui ne peut pas accueillir les 10 kg au mètre carré. Thales, pour récupérer ses stratobus, il nous a sollicité pour vraiment faire le module le plus puissant en dessous d'un kilogramme au mètre carré. Et ben, le produit, au bout de 18 mois, on était capable de le sortir d'une présentation à un produit commercial existant aujourd'hui. Donc ce module, il peut s'adapter. Il peut s'adapter aux différents usages et aux différents marchés. Si on regarde l'autre point, qui est vraiment, on a cité le prix dans des pays là où vraiment il y a un fort ensoleillement, mais on regarde les prix donc pratiqués en fait en moyenne en France, on voit bien qu'on a les trois secteurs, les centrales au sol, en jaune, c'est à peu près 47% à 50% en moyenne, on est à 50 euros presque le mégawattheure. 90 à 100 euros quand on est sur les toitures ou en autoconso. Mais ce qu'on voit, c'est vraiment l'intégré bâtiment. Ça reste quand même une proportion très, très faible. Le résidentiel aujourd'hui, c'est vraiment, on est autour de, en dessous de 10%, sachant que c'est des surfaces qui existent et on se pose moins la question, en fait, environnementale autour parce que la surface, elle existe, on va la fonctionnaliser. Il y a des règlements qui a été présenté par Madame la Présidente de la REC, c'était en dessous de 500 kW, on ne passera pas par un appel d'offres. Il y a 10 mesures pour vraiment aider les particuliers vraiment à franchir le cap. Et puis, bien évidemment, il y a différentes initiatives d'aide qui peuvent être là. Tout ça qui s'ajoute à un système photovoltaïque très bas niveau coût. Et puis, ça se rajoute aussi à un autre point qui est les 11 à 12 gigawatts installés en France qui ont montré une fiabilité. Personnellement, j'ai sur le toit de ma maison 3 kilowatts qui fonctionnent depuis 2010 sans aucune maintenance. C'est vraiment aujourd'hui, ce n'est plus est-ce que ça marche ou ça marche pas, c'est vraiment de trouver la bonne équation avec les usages que vous avez en interne. Voilà, donc je m'arrête là et je laisse la parole à mes collègues et je regarderai vos questions avec attention. Nous avons vraiment beaucoup, beaucoup d'innovations. Nous sommes entourés par 150 industriels qui couvrent toute la chaîne de la valeur. Si on parle de la grille PV ou du PV flottant ou du PV sur toiture commerciale, nous aurons beaucoup d'autres choses à vous montrer. Mais voilà, aujourd'hui, je ne vais pas monopoliser la parole. Vous avez mes contacts, je pense, et je reste à votre disposition. Merci à tous. Donc, merci beaucoup, Monsieur Jouigny. Donc, il y a eu beaucoup de réactions à votre présentation. Je vous les ferai remonter tout à l'heure. On va d'abord donner la parole donc à Monsieur Florent Ferjou, qui va pouvoir nous faire un petit éclairage par thématique. Il ne va pas forcément revenir sur chaque texte. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il va surtout revenir sur les thématiques qui sont impactées par les dernières évolutions au niveau de la loi, au niveau de la réglementation et des soutiens des politiques.
C'est à l'antenne, Monsieur Fréjou. On ne vous entend pas, Monsieur Fréjou. On ne vous entend pas. OK. Nargis, Monsieur Ferjou revient. D'accord, pas de souci. Bon, du coup, on va attendre juste une petite minute, je pense qu'il va revenir très rapidement. Voilà, il revient. Bonjour, vous Bonjour, m'entendez? on vous entend bien. Oui, super. Ah, parfait. Je vais avoir un petit souci technique quand on déconnecte, on me reconnecte, mais ça va le faire. Ça Je prends la parole. Donc, moi, je prends la casquette juriste ce matin. Quelques mots de présentation. Je suis Florian Ferjou, avocat au cabinet Gossemont Avocat. On est spécialisé en énergie renouvelable, de nature et spécifiquement en photovoltaïque. Et à titre personnel aussi, j'anime la commission juridique du syndicat Enerplan qui a été cité tout à l'heure, syndicat qui regroupe de nombreux acteurs de la filière photovoltaïque. Je m'attarde pas parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour un très court laps de temps pour ma présentation. Je me suis passé de présentation papier, diapositive, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses à dire que je préfère à la limite réagir aux questions et parler un peu plus librement et surtout éviter de vous balancer un diapo de 100 diapos que je ne pourrais pas exploiter. Quelques mots d'introduction d'abord. On est dans une situation aujourd'hui, ça commence à être abordé, on est dans une situation où pour le solaire photovoltaïque, on est à entre 10 et on est à, 10, 11 gigawatts d'installés. Et ce qu'il faut retenir d'un point de vue juridique, c'est que la France s'est contrainte d'une certaine manière pour remplir ses objectifs de gaz de lutte contre la l'émission des gaz à effet de serre et pour ses politiques climatiques, à des objectifs assez ambitieux en 2030 qui vont être encore rehaussés au fur et à mesure que le temps passe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'ici 2023, la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est la feuille de route énergétique française, demande que le solaire atteigne de mémoire 20 gigawatts, donc quasiment doublé en 3 ans le potentiel qu'on a actuellement. Et en 2028, d'atteindre entre 35 et 45 gigawatts. Ça fait partie du contexte politique et juridique. Pourquoi? Parce que ça oblige aujourd'hui l'État à se rendre compte que le laps de temps il est très très court et que l'équilibre juridique qui est trouvé n'est peut-être pas suffisant pour permettre le déploiement de l'énergie photovoltaïque en France notamment. À cela s'ajoute évidemment la pression de plus en plus forte de la population, de la société civile et aussi la pression juridique exercée par les juridictions, puisque l'État est de plus en plus enjoint par les juridictions administratives à agir pour sa politique de lutte contre le climat. Bon, tout ça fait que c'est un terreau très fertile pour l'énergie solaire, surtout que l'énergie solaire a plutôt bonne presse, hormis certaines difficultés, notamment sur les centres en zone agricole ou naturelle. Comparé, hein, je compare ça à d'autres types d'énergie. Et donc forcément, l'État a un peu mis le paquet ces derniers mois sur l'énergie photovoltaïque, en rebattant un peu toutes les cartes et en affectant et en essayant de faciliter un peu tous les domaines qui affectent le montage d'un projet photovoltaïque. Ces différents points que je vais revenir brièvement, le plus rapidement possible, je l'espère. Beaucoup de textes, je me contenterai juste des récents, je mentionne juste la loi climat-énergie, climat-résilience, pardon, du 22 août 2021, et je mentionne aussi l'arrêté tarifaire récent du 6 octobre 2021 qui rehausse l'accès au guichet ouvert et au droit à un tarif d'achat de 100 kW crête à 500 kW crête pour l'installation sur toiture. Je vais fonctionner un peu par thématique. Quand on développe un projet, qu'est-ce qui a bougé et qu'est-ce qui a été amélioré? Le premier point, c'est sur l'accès au foncier, le disponible. Aujourd'hui, on a une loi climat et résilience qui accentue l'obligation existante de solariser les toitures de certains nouveaux bâtiments. C'est une disposition qui est toute fait l'objet d'améliorations constantes depuis un certain nombre d'années
Et la loi climat résilience vient modifier les critères des bâtiments qui doivent installer du solaire en toiture ou en ombrière ou végétaliser sa toiture à hauteur de 30% de la surface construite, vient étendre cette obligation à des bâtiments plus petits pour parler plus prosaïquement. Initialement, la surface était de 1000 m² et désormais, tous les bâtiments d'une surface supérieure à 500 m² devront avoir un dispositif soit de végétalisation, soit un dispositif solaire en toiture ou sur ombrière. Ça va être à partir de 2023. Donc forcément, il va y avoir sorte d'appel d'air pour ces nouveaux projets, puisque par la contrainte, ils vont devoir installer du solaire en toiture. On a exactement le même phénomène pour les parkings, c'est-à-dire que pour les parkings de plus de 500 m², on a une obligation soit de végétaliser, soit mettre du solaire en ombrière sur la surface du parking. Donc forcément, ça va mobiliser un peu de foncier pour cette énergie, notamment en Ile-de-France en particulier. Deuxième élément qui concerne cette fois-ci les centrales solaires au sol, il y a tout un débat sur la notion de savoir si ça artificialise ou non les sols. La loi climat résilience accorde une dérogation pour les centrales solaires au sol pour pas que les collectivités mettent en balance d'un côté une centrale solaire au sol par rapport à un autre projet immobilier dans son quota d'artificialisation qu'il aura. C'est l'un des sujets majeurs de la loi climat et résilience. Lorsque l'installation solaire au sol réunira un certain nombre de critères assez exigeants pour ne pas non plus le terrain sur lequel il s'implante, la loi confirme que on ne sera pas dans une notion d'artificialisation au sens de comptabilité. Donc ça aussi, c'est une facilité, mais ça ne se fera pas dans n'importe quelle manière. Les projets ne vont pas pousser comme des champignons en zone agricole ou en zone naturelle. Il y a vraiment un souci de l'État de le faire, de ne pas le limiter, mais de le faire sous certaines conditions. Voilà pour des éléments sur le foncier. Je passe un peu rapidement. Il y a des éléments positifs aussi sur le raccordement. Puisque la loi climat et résilience rehausse la capacité d'Enedis à assumer le coût du raccordement de l'installation solaire, de certaines installations solaires, on appelle ça le taux de réfaction. Pour les installations de moins de 500 kW-crête, on va avoir une prise en charge prochaine, je pense à partir de janvier 2022, d'une prise en charge qui était actuellement de 40% pour ces installations, qui va être demain à hauteur de 60%. Forcément, là, c'est un levier financier assez important. On peut débloquer des projets qui ne se faisaient pas, qui restaient dans les cartons en raison de ce coût. Je vais assez rapidement vers, cette fois-ci, les conditions d'achat. C'est un peu le très gros morceau des évolutions juridiques présentes et récentes sur le sujet du solaire, surtout en toiture. Donc, c'est la publication très attendue par la filière. C'était dans les cartons depuis quasiment un an et demi par des annonces ministérielles. C'est l'arrêté tarifaire du 6 octobre 2021 avec son décret qui permet cette rehausse. Donc, qui vient rehausser la possibilité d'accéder au guichet ouvert et un tarif d'achat pour les installations en toiture de moins de 500 kW-crête. Initialement, c'était 100 kW-crête. Je rebondis à ce qui a été dit ce matin. L'accès au guichet ouvert, c'est vraiment un plus pour les projets. Et parce qu'on n'a pas la variabilité et surtout l'inconnu, à la fois pour soi et pour les investisseurs, d'être désigné ou non lauréat, puisqu'on est mis en concurrence dans cette phase de procédure. Avoir un guichet ouvert à moins de 500 kW-crête, ça permet finalement d'avoir des garanties et de la visibilité pour ces projets-là. Il y a un peu une automaticité, c'est-à-dire que quand on va prévoir un projet, on aura énormément de certitudes dès le début. Nécessairement, ça va vraiment redynamiser la filière sur ce point-là. Il y avait beaucoup d'acteurs qui attendaient cette rehausse du tarif qui était annoncé. Et en plus, dans cet arrêté tarifaire, il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont favorables. Il y a aussi des choses un peu moins favorables, on aura l'occasion d'y revenir, mais il y a beaucoup de choses favorables qui viennent faciliter aussi tout ce développement-là des installations. Par exemple, on peut citer, je reprends ma casquette de juriste, les définitions et les bâtiments qui sont éligibles au tarif d'achat sous ce guichet ouvert.
Il y a les toitures, il y a les toitures des bâtiments, évidemment, mais on a une certitude aussi sur les hangars et les ombrières. Et on a une définition surtout très large de ces ouvrages, que ce soit le bâtiment, le hangar ou l'ombrière, qui va permettre évidemment d'avoir encore plus de projets qui pourront être éligibles à ce tarif d'achat. Autre remarque qu'on peut faire sur cet arrêté tarifaire, c'est qu'il offre un peu plus de flexibilité par rapport aux anciens arrêtés tarifaires, notamment sur la possibilité de changer la nature de l'exploitation de son installation. Et là, je parle, ça me permet de revenir sur un autre sujet essentiel de cet arrêté tarifaire. Cet arrêté tarifaire porte à la fois sur la vente en totalité sur le réseau public, mais il valorise aussi les projets en autoconsommation individuelle, c'est-à-dire vente en surplus. Et pour cette modalité d'exploitation, on a des facilités de pouvoir passer de l'un à l'autre, même après la mise en service de l'installation. Voilà, ça fait partie aussi. Je prends cet exemple pour la flexibilité. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Par exemple, je peux citer la fin de la caution qui était existante pour l'ancien arrêté tarifaire. Là, il n'y a plus besoin de caution pour ces projets-là. Et puis aussi pour les pièces à fournir à Enedis lors de la demande de raccordement, on est sur quelque chose qui est aussi beaucoup plus allégé. Sur le point que je voulais insister, voilà, c'est que l'arrêté tarifaire, il a mis du temps à venir, mais il va redynamiser un peu tous les projets en toiture et leur donner une autre dimension. J'insisterai aussi sur le fait qu'il vient à un point nommé, notamment pour l'autoconsommation individuelle, ça permet de valoriser l'électricité revendue par le biais du contrat d'achat. Et pour l'électricité consommée sur le site, on a la synergie efficace de l'autoconsommation individuelle qui opère. Nécessairement aussi, pour cette manière de consommer l'électricité et de la produire, l'autoconsommation individuelle, on a aussi un arrêté tarifaire qui offre beaucoup de possibilités. Quelques mots aussi enfin sur l'autoconsommation collective. Elle est intégrée dans l'arrêté tarifaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un projet de production de moins de 500 kW crête, qui va pouvoir s'intégrer également dans une opération d'autoconsommation collective. Et aussi, on espère que ça pourra dynamiser ce mode de production et de consommation qui reste encore à l'heure actuelle un peu trop limité, notamment d'un point de vue financier. Voilà un peu pour tous les éléments de cet arrêté tarifaire. Je me tiens surtout à votre disposition pour les questions qui pourraient être posées. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mesures qui sont positives pour la filière. En raison, hein, je l'ai dit en introduction, des objectifs très ambitieux qu'il faut atteindre aujourd'hui. Et en Ile-de-France, nécessairement, par rapport au gisement de toiture qui peut y avoir, qui a été exposé en première partie de présentation, ça fait partie des choses où forcément la toiture est un peu mise en avant et pourra bénéficier un peu de tout ce cadre juridique facilité. Un point tout de même sur cet arrêté tarifaire, sur l'une des mesures qui est beaucoup discutée. C'est sur le fait qu'on ne puisse pas cumuler les aides autres que le soutien public qui est versé par l'arrêté tarifaire pour le montage de l'opération et du projet. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un soutien public très contrôlé, et l'une des raisons pour lesquelles cet arrêté tarifaire a mis beaucoup de temps à sortir, c'est qu'il y a beaucoup de discussions avec la Commission européenne pour le contrôle de ces aides d'État, puisqu'on est dans un régime d'aides d'État. Et parmi ces discussions-là, initialement, le texte ne prévoyait pas cette disposition qui vient un peu limiter le cumul des aides. Voilà, c'était aussi pour débloquer la situation au niveau de la Commission européenne que cette mesure est inscrite dans l'arrêté tarifaire. Deux remarques sur cette mesure. Alors oui, on a une limitation des aides directes pour le projet, puisque c'est soit, par exemple, des aides locales, soit l'accès au guichet ouvert. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on peut toujours aider financièrement un projet en plus d'avoir le soutien public grâce à l'arrêté tarifaire lorsque l'on mène une opération, par exemple, de désamiantage d'un bâtiment ou lorsque l'on va financer non pas le projet photovoltaïque, finalement son support, comme le bâtiment qui est en dessous, ou même les ombrières. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions sur les manières un peu de trouver quand même des solutions pour malgré tout
permettre d'avoir des aides locales qui intéresseront forcément tous les porteurs de projets, notamment aussi les porteurs de projets citoyens par rapport à cela. Peut-être une dernière remarque avant de céder la parole là-dessus. L'arrêté tarifaire du 6 octobre 2021 ne contient pas forcément en lui les mêmes de mesures particulières pour les projets citoyens, mais je sais qu'il y a des discussions qui sont en cours là-dessus. En revanche, il y a beaucoup d'annonces quand même sur ce point-là, et ça me permet de faire le parallèle avec, je ne peux pas parler de tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en ce moment, mais ça reste quelque chose qui est valorisé dans les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie. La gouvernance partagée et le financement participatif, ce sont des offres qui sont valorisées pour l'obtention, pour être lauréat d'un appel d'offres creux. Mais c'est vrai que pour l'arrêté tarifaire, toutes ces mesures sur l'autoconsommation individuelle sont là, mais il n'y a pas, en revanche, en tant que tel et directement, de mesures sur la participation citoyenne des projets. Mais je pense que c'est un travail qui est mené. Je pense qu'Énergie Partagée pourra nous en dire un peu plus là-dessus. Voilà, j'ai un peu essayé de balayer. Il y a beaucoup d'autres sujets, mais je reste disponible pour les questions. Oui, excusez-moi, je me fais un peu mettre du temps. C'est vrai que voilà, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur cette matinée. Donc, je vais tout de suite laisser la parole donc à Sylvie Morin d'Enedis, qui va justement pouvoir faire le lien, comme vous le disiez, vers l'autoconsommation, puisque ces mesures qui ont été prises, elles tendent pour certaines aussi à favoriser un petit peu, à continuer à soutenir donc l'augmentation des projets en autoconsommation. Madame Morin, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Mettez en plein écran, madame. Voilà. Oui, merci. Bonjour à tous. Sylvie Morin, je travaille donc à Enedis, gestionnaire de réseau public de distribution sur 95% du territoire en France, et donc plus particulièrement au sein du département Solutions pour la transition énergétique. Et ce matin, je venais vous présenter quelques chiffres qui corroborent ce qui a été dit par les personnes avant moi. Hein, sur vue du réseau, on observe tout à fait très nettement cette croissance du photovoltaïque en observant la quantité en puissance raccordée au réseau public de distribution géré par Enedis, où vous pouvez le voir sur ce slide avec une courbe en très nette progression et le fait qu'on est aujourd'hui à maille France sur le réseau Enedis à quasiment 11 gigawatts de puissance photovoltaïque raccordée avec une croissance de plus 23% en un an et plus de 36% en deux ans. Alors, on parlait tout à l'heure, on l'a évoqué à plusieurs reprises, la notion d'autoconsommation. On peut aussi constater dans ce paysage un bond de l'autoconsommation solaire. Et pour préciser justement que l'autoconsommation, c'est bien une exclusivité de la filière solaire, puisqu'on l'observe dans les demandes de raccordement, 99,7% les raccordements en autoconsommation sont sur la filière solaire. Et là, on a aussi observé très nettement une augmentation des raccordements en autoconsommation, avec en nombre le 100 millième qui a été atteint début 2021. On est maintenant à près de 122 000 sites raccordés en autoconsommation individuelle. Et vous le voyez, en termes de puissance sur le schéma de droite, on a actuellement plus 105% de puissance en file d'attente pour des projets entre 2020 et 2021. Donc, cette progression du solaire photovoltaïque s'accompagne ces derniers temps avec vraiment une croissance exponentielle de l'autoconsommation. Cette tendance, est-ce qu'elle, elle, en tout cas, elle semble se confirmer. Hein, on aurait pu se demander si c'était ponctuel, mais elle se confirme bien dans les demandes de raccordement qu'on a en cours, hein, puisque donc on a, que je vous ai présenté précédemment, sont les puissances raccordées. Et on a actuellement dans les demandes qui sont dans les tuyaux, les projets en cours,
Eh bien, cette même tendance, hein, avec près de 6 gigawatts de puissance en cours à la Maille-France, dont 128 mégawatts pour la région Île-de-France. Et de même pour l'autoconsommation, qui continue aussi dans les projets en cours, eh bien, d'être fortement demandé avec plus de 175 gigawatts de photovoltaïque en autoconsommation en cours à la Maille-France, 5,81 mégawatts en région Île-de-France. Alors, il y a aussi un petit nouveau dans le paysage, qui est encore timide, mais dont on observe quand même aussi une hausse, c'est le stockage par batterie. Certes, ça reste encore très marginal, mais comme vous pouvez le voir sur ces schémas, on a également une hausse des demandes de raccordement qui sont du photovoltaïque couplé à une installation de stockage. Sachant que là, l'objectif, eh bien, c'est que si on regarde particulièrement l'autoconsommation et qu'on veut essayer de maximiser en fait la part d'autoconsommation, bah, quand il s'agit d'une installation en photovoltaïque, évidemment, il va falloir essayer de se synchroniser avec les moments où l'installation photovoltaïque produit. Ces moments qui sont, bah, donc, vous vous en doutez, très conditionnés à l'ensoleillement. Avec le stockage, bah, ça permet de stocker cette production pendant les moments où elle produit et de pouvoir la déstocker dans les moments où je consomme. Donc, c'est cet enjeu-là qu'il y a sur le stockage. Par contre, pour l'instant, les coûts font que c'est encore une solution qui est regardée de manière marginale. Alors, on a prononcé le mot autoconsommation. Avant de regarder un peu plus en détail ce que ça recouvre, je voulais préciser qu'Enedis accompagne ce mouvement et parce que donc ça a été notamment cité par les personnes avant moi, mais il y a une phase qui est importante dans vos projets, eh bien c'est la phase du raccordement. Elle n'est pas négligeable, il faut anticiper à l'avance à la fois les délais, mais également les coûts. Et nous avons développé récemment des outils qui sont à disposition, qui vous permettent de simuler des raccordements. Et jusqu'à présent, on pouvait faire des simulations sur le réseau basse tension et depuis peu, ces simulations peuvent également se faire sur le réseau moyenne tension. Ça vous permet en amont d'anticiper et même, pourquoi pas, de regarder, quand on est très en amont du projet, un positionnement de l'installation. Alors certes, on l'a vu, il y a énormément de contraintes hein, sur ce positionnement qui sont liées bien évidemment à des structures, toitures, bâtiments, etc. Mais lorsqu'il y a des possibilités encore de choix de positionnement, grâce à ce simulateur, vous pouvez aussi regarder si d'un point de vue du réseau, il y a des endroits plus ou moins favorables, c'est-à-dire dans le sens avec plus ou moins de travaux d'un point de vue raccordement pour intégrer cette nouvelle installation dans le réseau de distribution. Un autre point aussi important, c'est que de plus en plus de données sont disponibles, à la fois en open data, mais également des données spécifiques pour des acteurs spécifiques qui peuvent faire des demandes sur des sites et des plateformes dédiées pour obtenir des données publiées par Enedis. Et je pense en particulier à ces derniers temps le développement d'API et qui permettent, un exemple concret, de pouvoir aussi connecter à un cadastre solaire justement une API qui viendrait renvoyer les données du simulateur de raccordement. On a différentes collectivités qui ont opté pour ce système. Et donc, au moment où vous, sur le cadastre solaire, vous visualisez l'endroit où vous favorable pour positionner des panneaux, vous pouvez également, par API, vous connecter au simulateur et regarder si, d'un point de vue du réseau, c'est un endroit qui nécessite des travaux ou pas. Et on a également, bien sûr, toutes les données qui sont disponibles en lien avec les dispositifs de comptage communicants qui permettent maintenant de renvoyer tant des données de consommation
que des données de production. Alors, on a beaucoup évoqué le terme d'autoconsommation et de quoi parle-t-on exactement, en tout cas du point de vue du réseau public de distribution. Eh bien, on parle en fait de deux types d'autoconsommation. L'autoconsommation individuelle, où là, il va s'agir de consommer soi-même, hein, sur son propre site, la production d'un moyen de production qu'on a soi-même installé. Là, on peut constater qu'on a deux façons de faire. Soit j'autoconsomme toute ma production sans jamais mettre de production d'électricité sur le réseau public. Donc, on appelle ça de l'autoconsommation totale, hein, sans injection sur le réseau public. Auquel cas, vu du réseau, vous êtes vu comme un consommateur classique, avec par contre le fait qu'il est important de déclaration de production aux gestionnaires de réseau pour des questions de sécurité, pour que les personnes, quand elles interviennent sur le réseau, sachent qu'il peut y avoir un moyen de production sur ce site. Et vous pouvez aussi autoconsommer une partie de votre production et injecter sur le réseau ce que vous n'avez pas autoconsommé, et ce qu'on appelle dans ce cas un surplus d'électricité, donc la part qui n'a pas été autoconsommée sur le site. Et dans ce cas-là, le surplus qui est injecté sur le réseau peut être bien sûr valorisé de différentes manières. Donc, tout à l'heure, ça a été évoqué, la possibilité de le valoriser en obligation d'achat, par exemple, ou selon des critères de puissance dans le cadre des appels d'offres créés. Mais c'est possible également de le vendre à un fournisseur d'électricité. De plus en plus de fournisseurs d'électricité s'intéressent à cette part de production individuelle et proposent des tarifs pour la racheter à leurs clients. Alors, il y a une dimension aussi possible, c'est que ce surplus, on peut aussi le partager dans une opération d'autoconsommation collective. Donc, pour montrer que autoconsommation collective et autoconsommation individuelle ne sont pas deux modèles qui s'excluent, mais peuvent être des modèles complémentaires. Et donc, en effet, dans le cadre de l'autoconsommation collective, cette fois, je ne suis pas tout seul. Hein, il y a plusieurs personnes, des producteurs et des consommateurs, qui sont associés entre eux au sein d'une entité juridique, hein, qu'on appelle dans le jargon de l'autoconsommation collective la personne morale organisatrice, la PMO. Et donc, ces personnes qui se sont associées entre elles, eh bien, peuvent se partager la production des producteurs qui sont associés dans cette personne morale organisatrice. Et donc, celui qui est dit producteur, il peut être en autoconsommation individuelle comme on l'a vu, c'est-à-dire qu'il autoconsomme déjà une partie pour lui, et ce qu'il va partager dans l'opération, c'est uniquement son surplus, ce qu'il n'a pas autoconsommé sur son site, mais ça peut aussi être un producteur qui n'autoconsomme pas, qui injecte toute sa production sur le réseau et qui peut partager cette production dans une opération d'autoconsommation collective. Alors, un des points à retenir important dans ces deux modèles, c'est que dans l'autoconsommation individuelle, eh bien, ce que j'ai autoconsommé sur mon propre site n'est pas passé sur le réseau public de distribution, c'est resté sur mon site. Donc forcément, le réseau public, lui, n'a rien vu, et donc ça veut dire que sur cette partie-là, il n'y aura pas de tarif à payer pour l'acheminement de l'électricité sur le réseau, puisque rien n'aura été acheminé par le réseau public. Ça, c'est un point important. Et donc, évidemment, cette partie-là, également, elle n'est pas achetée, puisque je l'ai moi-même auto-consommée. Ensuite, il existe, sous différentes conditions de seuil, des exonérations des taxes CSPE et TCFE sur cette part qui a été auto-consommée sur le site. Et puis, comme on l'a vu, la partie qui est injectée sur le réseau est éligible à l'obligation d'achat ou le complément de rémunération sous certaines conditions. Dans l'autoconsommation collective, alors ce qui peut être intéressant dans l'autoconsommation collective, c'est que tout le monde n'a pas forcément la possibilité de mettre un
des panneaux sur son toit, voilà, pour différentes raisons, des raisons techniques ou des raisons aussi parce que je suis locataire et que le propriétaire ne veut pas faire ce choix. Et là, donc, on se regroupe pour se partager la production de quelques-uns, avec l'idée que là, on n'est pas dans un partage physique. D'un point de vue du réseau, tout le monde est raccordé au réseau, et ce qu'on va se partager circule sur le réseau public de distribution. Et c'est parce qu'on est tous raccordés au réseau public qu'on bénéficie d'électricité en permanence, même si les panneaux ne produisent pas, hein, même si c'est la nuit, même si c'est des moments où il ne fait pas beau, etc. Et donc, comme tout circule sur le réseau public, eh bien, du coup, il y a un tarif d'acheminement qui est facturé pour l'électricité qui transite sur le réseau public, avec une possibilité, j'entrerai pas dans le détail, mais d'un tarif spécifique pour l'autoconsommation collective. Et alors, comme l'a souligné... Oui, pardon. Je me permets de vous interrompre un instant. Juste, il vous reste pas beaucoup de temps pour que ensuite Madame Bérangère même puisse intervenir pour énergie partagée. D'accord, donc je vais aller un petit peu plus vite. Donc voilà les différences principales entre les deux. Donc j'entrerai pas en détail dans les grands principes. Vous aurez de toute façon le support qui vous donnera les grands principes de l'autoconsommation collective, le fait notamment que tout le monde doit être dans un périmètre géographique défini, hein, que ça se fait pas de manière étalée sur l'ensemble du territoire. Et puis la manière dont ensuite on répartit justement les flux entre les différents consommateurs, sachant qu'on est bien ici sur une répartition contractuelle. C'est un ensemble de consommateurs qui veulent privilégier le fait qu'ils achètent une partie de leur électricité auprès de petits producteurs avec lesquels ils se sont associés. Et cela a un impact sur la facture d'électricité, chacun conservant son fournisseur d'électricité, mais le fournisseur d'électricité ne facture du coup l'électricité que sur la part qui lui revient en dehors de la production locale. Alors pour donner quelques éléments chiffrés, donc comme ça a été dit précédemment, le développement de l'autoconsommation collective n'est pas aussi spectaculaire que celui de l'autoconsommation individuelle. Il reste pour l'instant, on va dire, limité, mais et ça reste quand même une progression constante depuis ses débuts, puisqu'il n'y avait que 6 opérations en 2018. On est aujourd'hui à 68 opérations en service, plus 30 par rapport à 2020, et qui regroupe plus de 800 participants. Et on a donc actuellement 76 opérations en projet. Vous avez une carte pour vous montrer la répartition de ces opérations. Sur l'Île-de-France, ça reste timide pour l'instant, puisqu'on n'a que 2 opérations actuellement en service sur l'Île-de-France. Mais on observe, le point important, c'est que ces opérations sont majoritairement portées par des collectivités territoriales. Donc sur les 68 en service, 38 sont gérées par des collectivités qui peuvent être des communes, des départements, des communautés de communes ou des syndicats. Et puis, vous verrez, donc, je vais deux exemples. Donc là, à ce stade, je n'ai pas mis les exemples d'Île-de-France parce qu'ils sont assez récents et donc on n'a pas encore de retour des porteurs de projets. Mais vous avez donc des projets qui communiquent largement et auprès de qui vous pouvez vous rapprocher pour avoir des informations. En particulier la ville de Malonnet en Normandie qui a commencé son opération en 2018 et qui l'a régulièrement étendue et aujourd'hui elle regroupe 19 bâtiments municipaux. Donc là on est sur un modèle où la commune en fait partage sa production avec ses propres bâtiments municipaux. Et on a eu aussi récemment dans le cadre des rencontres TEPO-SAMIO un témoignage du syndicat de l'Aveyron qui a monté une opération, certes avec des bâtiments publics, mais impliquant aussi autour des bâtiments tertiaires tiers. Et la particularité de ce modèle, c'est que sur la région Occitanie, c'est la première opération dans laquelle il y a une facturation de la production locale entre les participants.
ans pour du coup permettre un modèle de bout en bout et analyser comment se passe du coup cette opération d'un point de vue économique. Voilà, je l'ai terminé et puis de toute façon vous aurez la présentation à disposition et je réponds à vos questions au besoin. Merci beaucoup. Donc, on va passer la parole maintenant à Bérangère Même, donc qui travaille au sein d'énergie partagée et qui va pouvoir revenir sur le sujet de l'énergie citoyenne, sachant que le 8 novembre dernier, il y a eu les deuxièmes assises des énergies citoyennes et que il y a vraiment un engouement autour de ce type de projet et pas sans raison. Donc, Bérangère, je te laisse la parole. Merci. Oui, merci Narjis. Est-ce que vous voyez bien mon écran partagé en mode présentation ou pas? Oui, tout à fait. Oui, c'est bon? Ok, super. Donc, je me présente d'abord, donc Bérangère Même. Moi, je suis animatrice régionale d'énergie partagée pour la région Île-de-France. Voilà. Alors peut-être avant de revenir sur les assises et puis de vous faire rapidement un panorama de ce que c'est un projet citoyen, qu'est-ce qui existe en Île-de-France et puis dans le reste de la France et ensuite peut-être les dernières évolutions réglementaires et l'impact que ça a sur ces projets-là. Je vais peut-être revenir et faire un petit point de définition sur qu'est-ce qu'on appelle citoyen. Voilà, parce que voilà, on le dit, c'est un peu un mot valise. Donc, les projets citoyens, c'est vraiment des projets de production d'énergie renouvelable qui vont ouvrir majoritairement leur capital au financement collectif, mais aussi au financement collectif et aussi le pilotage qui est fait par des acteurs locaux, donc dans l'intérêt du territoire et des habitants. Donc, concrètement, ça veut dire que des citoyens et des collectivités locales vont avoir une part au capital d'une société qui peut être coopérative. Et ils vont maîtriser la gouvernance du projet de production d'énergie renouvelable. Voilà. Donc, pour rappel, depuis 2015, les collectivités, elles peuvent investir directement dans des SA, des SAS ou des SIC de projets de production d'énergie renouvelable. Voilà. Donc, s'il y a vraiment une chose à retenir de cette présentation, c'est la notion de la maîtrise locale de la gouvernance du projet. Voilà. Donc, c'est les acteurs locaux qui sont majoritaires et qui détiennent une part significative du capital, donc à environ 40%, et qui ont une minorité de blocage. Donc, avec ces projets citoyens, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va plus loin dans l'implication des acteurs locaux que, par exemple, des projets qui sont financés sur des plateformes de financement participatif. Voilà, c'est vraiment deux choses un petit peu différentes. Donc, maintenant qu'on a reclarifié ça, peut-être énergie partagée, qu'est-ce qu'on fait, qui on est. Donc, nous, on est vraiment le mouvement qui promeut, qui accompagne et qui finance ces projets d'énergie renouvelable au bénéfice du territoire. Donc, on est un petit peu un acteur du faire ensemble autour de la question de l'énergie, mais surtout la question de la réappropriation de la transition énergétique par les gens. Donc, on s'appuie sur deux outils principaux que vous voyez là à l'écran, sur le PowerPoint. D'un côté, l'association et de l'autre côté, l'outil d'investissement. Donc, l'association, là, c'est vraiment de l'accompagnement très à la dentelle de projets citoyens pour les essaimer, les promouvoir. Et donc, on est vraiment sur le terrain. Et ça se fait dans toutes les régions de France avec des animateurs régionaux comme moi. Et puis, de l'autre côté, on a l'outil d'investissement. Ça permet de collecter en fait l'épargne de plus de 6600 citoyens en France. Et il y a aussi un apport d'expertise sur des projets qui vont être de plus grandes envergures avec des référents techniques par filière dans la coopérative d'énergie partagée. Voilà, je ne m'étends pas plus sur toutes nos activités, mais pour vous faire très, très court, nous, on est une boîte à outils nationale où il y a énormément de retours d'expérience et d'outils qui sont à disposition des porteurs de projets, mais aussi des collectivités,
avec par exemple des packages d'assurance spécifiques pour les projets citoyens ou encore un partenariat avec Enedis pour faciliter les démarches de raccordement, voilà, sur toutes les phases du projet, que ce soit économique, technique, mais aussi sur la sensibilisation. Donc, je m'arrête là pour la présentation plus générale. Là, peut-être pour recontextualiser, les projets citoyens, ça existe depuis très longtemps en Allemagne et dans d'autres de pays d'Europe. Nous, Énergie Partagée, on existe depuis 2010 et 2015 en Île-de-France. Il y a un petit peu plus de 300 projets citoyens en France, donc pas que photovoltaïque, hein, on est aussi sur de l'éolien, de la méthanisation citoyenne ou encore des projets de bois énergie, voilà. Donc, plus de 300 projets en France. En Île-de-France, on accompagne une trentaine de collectifs citoyens que vous pouvez voir sur cette carte, et dont une quinzaine, voilà, qui sont un petit peu plus avancés, qui sont sur la carte, où il y a des sociétés de projets qui sont déjà créées. On a quatre projets qui ont déjà des installations réalisées. Donc, il y a Inercitif à Paris, Sud Paris Soleil, Arcueil-Cachan, Électron Solaire sur l'EPT d'Est Ensemble et Pleine Énergie Citoyenne sur l'EPT Pleine Commune. Voilà, et donc pour rappeler, on est financé par la région Île-de-France, l'ADEME et la Métropole du Grand Paris pour mener cette mission d'intérêt général. Donc juste revenir un petit peu sur les bénéfices qu'apportent ces projets citoyens. En fait, c'est quoi l'intérêt de faire des projets avec une gouvernance locale? Bon, il y en a beaucoup, je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert, mais on va dire les principales, c'est d'abord les retombées économiques locales, parce que vous avez donc des actionnaires locaux, c'est-à-dire des habitants comme vous et moi qui investissent un petit peu d'argent dans ces coopératives-là. Et puis, ces coopératives, elles font beaucoup travailler des entreprises locales. Il y a aussi évidemment une meilleure appropriation des habitants de ce que c'est l'énergie et une meilleure acceptabilité sur le territoire hein, de ces projets-là, parce qu'ils sont co-construits. La question quand même de la cohérence écologique tout autour du projet, avec des porteurs de projets qui sont très sensibles à, voilà, à celle-ci, qui vont privilégier quand c'est possible du matériel local ou européen, ou faire des études plus poussées de faune flore, par exemple, sur des projets éoliens. Voilà. Et puis toute la question de des nouvelles manières de travailler avec les collectivités, avec les citoyens, avec voilà, une expérimentation de nouvelles pratiques démocratiques et finalement des projets qui permettent aussi de beaucoup relier du lien social sur votre territoire. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu les principaux, mais je ne m'attarde pas plus. Je voulais juste vous parler rapidement du label de l'énergie citoyenne. Donc, Nargis précisait tout à l'heure que la semaine dernière, il y a eu donc les deuxièmes assises de l'énergie citoyenne à Nantes. Et donc, ça a été l'occasion pour Énergie Partagée d'officialiser la sortie de ce label. Alors, je ne vous en parle pas seulement pour faire de la pub, mais pour vous, c'est un pas en fait important, une étape importante pour l'énergie citoyenne en France, puisque ça souligne la robustesse de l'écosystème de l'énergie citoyenne, à la fois les porteurs de projets, mais aussi les structures accompagnatrices. Et ce label, il a vraiment pour objectif de distinguer clairement les projets de production d'énergie qui sont vertueux pour le territoire. Et l'idée, c'est de les valoriser pour en faciliter le développement. Voilà. Donc, pour résumer, on est quand même ambitieux dans notre démarche. On a des outils d'évaluation de ces projets-là, voilà, qui s'appellent la boussole, avec des critères qui sont exigeants, qui sont objectifs et qui sont liés avec la charte fondatrice d'énergie partagée. Et donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de massifier la transition énergétique citoyenne pour multiplier ces projets-là et environnemental. Voilà, et qui sont donc conformes à notre philosophie. Ça me paraissait important quand même de vous en parler un petit peu. Et donc là, je viens à la partie peut-être qui nous concerne le plus aujourd'hui et qui du coup reprend un petit peu la présentation de Monsieur Ferjou de tout à l'heure sur les dernières évolutions réglementaires. Donc, on a parlé de l'arrêté tarifaire et donc de cet article 13 sur le non-cumul des aides d'État. Donc, je reviens pas plus en détail dessus.
Mais donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il existe un appel à projet régional porté par la région Île-de-France spécifique aux projets citoyens. Et donc, voilà, aujourd'hui, ce n'est plus possible de cumuler cet appel à projet et donc cette subvention avec le tarif d'achat réglementé. Donc, c'est vraiment un frein considérable hein, à la capacité des territoires de soutenir ces projets citoyens. Nous, on a quand même une centaine de projets citoyens, on va dire, qui cumulent environ 50 mégawatts crête de puissance qui risquent de ne pas pouvoir se concrétiser en France. Donc, c'est quand même cette interdiction de cumul, elle est très pénalisante pour les, notamment en Île-de-France, parce qu'on a des tarifs qui sont pas forcément avantageux. Donc, voilà, nous, on est engagés depuis le début dans les discussions sur cet arrêté, notamment à la publication d'une tribune dans Le Monde. Mais aujourd'hui, il y a eu des évolutions hein, depuis le 6 octobre, avec la semaine dernière la publication de 10 mesures en faveur des énergies renouvelables citoyennes. Donc, ce sont des annonces qui ont été faites par Madame la Ministre le 8 novembre. Et je ne vais pas vous les passer en détail, je vous ai mis vraiment le lien dans la présentation. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'à partir de maintenant, on a un objectif qui est annoncé et qui est clair de 1000 nouveaux projets à gouvernance locale en 2028, voilà, d'ici à 2028 en France. Autre chose d'intéressant, c'est que donc pour arriver à cet objectif, il y a des nouvelles propositions qui sont faites. Donc la majorité sont quand même encore en cours de travail et de définition précise. Mais notamment, l'État prévoit une note de clarification sur les aides qui peuvent ou non être cumulées avec les dispositifs de soutien de type tarif d'achat. Donc c'est ce dont parlait Monsieur Ferjou tout à l'heure, par exemple. Est-ce que la structure de l'ombrière peut être financée? Est-ce que tout ce qui va être relatif au PV Ready peut rentrer, peut faire l'objet de subventions? Donc, on travaille sur des nouvelles manières d'adapter des appels à projets pour continuer à soutenir ces projets citoyens-là. Mais quand même, malgré tout, c'est difficile de compenser. De compenser la subvention actuelle qui existe, qui était quand même de l'ordre de 45%. Une dernière chose quand même dont je voulais vous parler, c'est que nous, on défend une mesure de longue date avec nos partenaires sur le photovoltaïque, c'est la modulation du tarif, voilà, à partir notamment du productible. Ça n'a pas été repris dans ces dernières annonces-là, comme site de travail. Donc, nous, on continue à porter cette proposition et qui, selon nous, hein, est la seule à vraiment répondre aux enjeux sur les petits projets photovoltaïques dans la moitié nord de la France. Et donc, ça permettrait au territoire de maîtriser le développement des ENR et d'atteindre leurs objectifs en lien avec la régionalisation de la PPE, tout en étant en ligne avec la réglementation européenne des aides d'État. Je m'arrête là juste en précisant peut-être les axes de travail en Île-de-France sur lesquels on a déjà commencé à travailler avec les porteurs de projets et qui vont vraiment être les choses qu'on va faire en 2022. C'est de travailler plus de projets de grande envergure en co-développement avec soit des SEM, soit avec des développeurs privés. De travailler sur des projets de plus grande envergure, notamment sur du PV au sol, sur des friches, sur des ombrières de parking. Voilà, les caractéristiques globales, c'est plutôt des projets en obligation d'achat, en gré à gré, avec ou sans co-développement. Et donc voilà, élus, s'il y a des élus dans la salle, c'est le bon moment pour faire remonter des terrains ou des projets intéressants si vous en avez et si vous n'avez pas envie de uniquement laisser les clés du camion à un développeur privé. Voilà, donc nous l'idée c'est de continuer à travailler sur le photovoltaïque autrement, donc de développer la vente en direct pour sortir du tarif d'achat. Ou plus de choses en lien avec l'autoconsommation. Et pour certains projets, ça va être aussi l'occasion de renforcer l'activité de pédagogie autour de la maîtrise de l'énergie et de la sensibilisation. Voilà, il y a peut-être sur des projets émergents qui n'étaient pas encore en production, ils vont plutôt se tourner sur
secteur de la pédagogie. Et enfin, éventuellement, de se tourner vers d'autres filières, plutôt autour de la chaleur et de la méthanisation, comme c'est le cas dans d'autres réseaux régionaux d'énergie partagée qui accompagnent déjà ces projets-là. Je m'arrête peut-être là pour laisser un petit peu plus de place aux questions. Voilà, désolée, hein, j'étais un petit peu exhaustive. Mais bon, l'idée, c'est qu'on puisse aussi échanger. Pas de souci. Effectivement, c'est vrai que c'était un choix un peu audacieux de vouloir faire une table ronde avec des experts qui ont vraiment énormément apporté. Donc, on a malheureusement, on dépasse le timing, c'était prévisible. Et je voulais quand même, donc si Pascal, tu peux remettre tous les experts à l'écran. Je voulais quand même vous laisser un petit temps pour revenir sur les présentations des uns et des autres en priorité si vous aviez des commentaires ou des éléments à ajouter. Certaines des présentations qui ont été faites avant qu'on passe aux questions. Voilà, je vous laisse quelques secondes. S'il n'y en a pas, on passera directement aux questions. Très bien, ben, on va passer aux questions. Alors, il y en a eu beaucoup, beaucoup, donc on ne va pas pouvoir toutes les traiter, mais certaines. Notamment qui peuvent être sur des regards un peu croisés. Il y avait une question qui allie à la fois autoconsommation et réglementation. Donc la question c'était est-ce que le nouveau décret apporte des nouveautés dans le domaine de l'autoconsommation collective pour les particuliers ? Facilitation de participation, création de PMO pour l'autoconsommation, voilà. Est-ce qu'il y a des éléments en particulier sur l'autoconsommation collective ? Je ne vous entends pas, Monsieur Fergé. Toujours pas. Reconnectez-vous rapidement. Bon, je prends. Je peux peut-être en profiter le temps que M. Ferjot se reconnecte. Par rapport aux points qui ont été évoqués, non. Le fait qu'il faille constituer des actrices, c'est quelque chose qui est toujours dans la loi et qui est très important, puisque ça implique les participants dans le mode de gouvernance du projet. Ils ont voix au chapitre. Donc, je ne pense pas que ce point, en tout cas, je n'ai pas entendu qu'il ferait l'objet d'évolutions. À court ou moyen terme. Et par contre, ce qui. Alors, Monsieur Ferjou s'est reconnecté. Non, non, allez-y. Vous m'entendez ? Oui, juste Monsieur Ferjou, oui, on vous entend. Ah. On va juste laisser Madame Morand finir. Allez-y. Oui, je complétais Monsieur Ferjou. Donc, je disais que concernant la PMO, pas d'évolution, elle est toujours là et quelque part, elle est importante puisqu'elle implique les participants dans la gouvernance et dans la décision de l'opération. Et par contre, bien ce que vous avez précisé tout à l'heure, c'est que ce qui est nouveau, c'est que l'autoconsommation, les producteurs qui participent à une opération d'autoconsommation collective peuvent depuis peu bénéficier des dispositifs de soutien de l'État, ce qui n'était pas possible avant, et donc de l'obligation d'achat grâce à l'arrêté S21 et également du complément de rémunération avec l'appel d'offres créé autoconsommation. Je ne sais pas si vous aviez d'autres points à ajouter. Oui, c'est exactement ça. Avant, ce n'était pas du tout possible de participer à une opération d'autoconsommation collective en ayant un surplus qui serait valorisé par un tarif d'achat, par un soutien public. Et ça, c'est une grosse nouveauté pour résultant de l'arrêté tarifaire. Oui, par contre, sur les PMO, il n'y a pas d'avancée particulière. Alors, il y a d'autres textes qui ont créé des avancées, notamment il y a un élément où l'État avance beaucoup, c'est sur les bailleurs sociaux. Eux ont beaucoup de facilités et c'est un peu une sorte de modèle de développement. C'était les premiers développeurs de ces opérations-là et le droit est venu un peu progressivement faciliter. Et notamment, les bailleurs sociaux peuvent être une PMO. Moi, je trouve que c'est un modèle pour les bailleurs sociaux un peu avant-gardiste, qu'on pourrait réfléchir sur d'autres modèles, hein, pour des personnes publiques, par exemple, voire même des syndicats de copropriété, exporter un peu ces mesures de facilitation.
Donc, on a des mesures, oui, pour l'intégration dans le tarif d'achat, mais pas dans le fonctionnement de la PN, de l'auto-collective. Une autre question pour vous aussi, Monsieur Ferjou. Existe-t-il un droit au soleil? Il y a une inquiétude sur le fait qu'effectivement, on puisse envisager une installation à intenter sur une toiture ou en ombrière, et puis qu'un bâtiment puisse être construit à proximité et qui vienne malheureusement créer un ombrage sur l'installation. Est-ce qu'il y a des éléments dans la réglementation qui permettent de protéger les projets ou les installations existantes? Alors, la réglementation ne protège pas directement ce point-là. On n'est pas sur une notion de droit au soleil, on est plutôt sur une notion d'équilibre entre les intérêts des riverains. Il peut y avoir des notions de trouble anormal de voisinage pour l'ombre, mais sachant que les problèmes de hauteur sont de moins en moins posés, puisque les PLU ont tendance, enfin les plans locaux d'urbanisme ont tendance à un peu harmoniser les hauteurs, même qu'on va de moins en moins voir. Juste, voilà, pour répondre à la question, il n'y a pas de disposition particulière qui traite cette question-là. On est vraiment sur le droit commun, sur l'équilibre entre les droits entre riverains, entre eux. Merci beaucoup. Une question, donc cette fois pour Monsieur Jouigny. Vous avez évoqué les prix du solaire, donc du photovoltaïque au mégawattheure. La question, c'était de savoir, est-ce qu'ils intègrent aussi les coûts annexes, qui peuvent être coûts de stockage, coûts par rapport au système de distribution. Comment est-ce qu'ils sont calculés? Vous pouviez apporter un peu plus d'indications. Les coûts que j'ai mentionnés, d'abord merci pour la question. Les coûts que j'ai mentionnés, c'est vraiment, ça concerne le système photovoltaïque installé uniquement. Donc, ça ne concerne pas vraiment le stockage. Pour le stockage, il y a d'autres paramètres qui rentrent, essentiellement notre capacité de stockage. On veut sécuriser une heure de stockage ou cinq heures, c'est vraiment pas du tout le même coût, la capacité. Mais ce qui est vraiment opportun à souligner aujourd'hui, c'est que tellement le photovoltaïque, les prix ont baissé, il laisse vraiment une grande fenêtre pour répondre à l'intermittence par d'autres outils de stockage et en attendant vraiment la forte baisse du coût du stockage, qu'il y a un rapport public qui est sorti cette semaine par Lazar qui détaille à peu près les coûts pratiqués aujourd'hui un peu partout dans le monde. Que je peux partager le lien dans les questions-réponses. Ça, ils auront aussi les idées sur le coût du stockage actuel aujourd'hui. Merci, oui, nous, on a aussi, si vous permettez, on a aussi une deuxième approche, c'est qu'on est très très actif ici à INES, ce qu'on appelle la deuxième vie de la batterie. Donc une batterie utilisée pour l'automobile, il y a un moment, elle ne peut plus servir le secteur de l'automobile, mais cette batterie, elle est toujours fonctionnelle. Et comme nous n'avons pas de contraintes sur les installations, que ce soit en autoconso ou autre, donc on récupère cette batterie pour l'utiliser et la coupler avec le photovoltaïque. Ces batteries, elles auront bien évidemment aussi un coût moindre avant que la batterie parte dans une filière de recyclage. Alors, on essaie de lui offrir une deuxième vie en la couplant avec le système PV. Voilà. Mais justement, vous faites le lien avec une autre question qui est plus liée du coup aux solutions industrielles. Vous avez évoqué la réindustrialisation un peu de la France et puis le fait de produire des panneaux solaires photovoltaïques français. Par rapport au marché asiatique, quelles sont nos forces et comment est-ce qu'on peut soutenir du coup cette réindustrialisation? D'accord. Donc, le premier volet qui est le volet innovation technologique. Donc, par exemple, Florian ici présent, il peut témoigner que la cellule qu'on a installé en masse il y a 5 ans en arrière, c'est ce qu'on appelle ALBSF, ça veut dire une cellule, toute la face arrière, elle est en aluminium. Aujourd'hui, elle n'existe plus. On est passé à une autre génération de cellules. Et même les panneaux qui font appel, donc vous voyez aujourd'hui, sont tous composés par des demi-cellules. Et donc, on sait bien que la cellule qu'on installe aujourd'hui, d'ici 4-5 ans, on n'installera plus cette cellule-là, tellement la technologie, elle évolue. Donc, nous, on développe ces nouvelles cellules de nouvelle génération.
On a combiné le silicium cristallin avec silicium amorphe pour former la cellule hétérojonction où on travaille sur la cellule à 30% de rendement. Donc, il y a toujours un apport à innovation qui permet vraiment à des nouveaux entrants de miser sur cette nouvelle technologie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, bien évidemment, cette cellule devrait être rentable. Quand on regarde, le silicium sort un peu, c'est le silicium cristallin qui domine le marché, il sort un peu de la cellule classique vers une cellule avancée. La cellule avancée, elle se rapproche de trois mondes. Le monde de la microélectronique, à travers les procédés, le monde des équipements qu'on utilise pour les écrans plats, pour vraiment l'équipement et l'installation qu'on va utiliser, et puis des dépôts qui sont vraiment des couches très très fines de nanoparticules. Donc ces domaines-là, la France, elle mise dessus et elle existe. On a autour de nous à Grenoble, il y a un écosystème de microélectronique qui est très très fort. Donc ça c'est le deuxième point, c'est qu'on a encore en Europe, autour de nous et en France, des équipementiers qui peuvent vraiment travailler sur une usine de production en Europe. Deux des critères pour être rentable face à un géant asiatique qui vraiment domine tout, c'est les cadences de production et bien évidemment une automation très poussée. Nous, on a tourné des business plans à une taille qui est autour de 2 gigas et on arrive à sortir des modules à un coût rentable face à une production asiatique de masse. Le troisième, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment. On a perdu Monsieur Jouigny. On va passer, c'est pas grave, à une autre question. Alors, une question pour Madame Morand. Je reprends juste la question pour qu'elle soit un peu plus cohérente. C'était par rapport au développement de l'autoconsommation. Donc c'est une collectivité qui souhaitait savoir comment est-ce qu'elle peut suivre la production d'électricité en autoconsommation sur son territoire. Est-ce que avec les outils que vous avez présentés, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui? Est-ce que c'est envisagé? Est-ce qu'on peut vous contacter spécifiquement pour cela? Dites-nous. Alors déjà, si j'ai bien compris la question, par rapport aux éléments que je vous ai, les schémas que vous avez vus sur mes supports sont tous issus de l'open data d'Enedis, et en particulier celui qu'on appelle le mix Enedis, qui permet justement d'accéder aux informations que je vous ai montrées à différentes mailles. Et sinon, en particulier, on a donc dans les différents territoires, des points d'entrée, des ingénieurs territoriaux qui peuvent être vos points d'entrée quand vous avez des questions de ce type-là et pour vous aider, vous orienter et obtenir les informations dont vous avez besoin. Donc je pourrais, si vous le souhaitez, vous communiquer les points d'entrée sur l'Île-de-France avec qui vous pourrez du coup vous rapprocher pour avoir des éléments de réponse à cette question. Et je vais juste laisser Monsieur Jouigny finir son propos et puis ensuite on va devoir s'arrêter là parce que malheureusement on a vraiment énormément dépassé le timing. Monsieur Jouigny, on vous écoute si vous voulez terminer, juste conclure. D'accord, donc c'était vraiment, on est arrivé sur le troisième volet qui devrait compléter les deux premiers. Donc on a parlé, le premier c'est niveau innovation, c'est une technologie qui avance très vite. Le deuxième point, c'était il nous reste encore un écosystème d'industriels et d'équipementiers qui sont très axés sur la microélectronique et le photovoltaïque suit la microélectronique. Et le troisième, bien évidemment, ce qu'on faisait aujourd'hui tous à la table, différents acteurs, qui, parce qu'en fait, il n'y aura pas de révolution, mais il y aura un ensemble d'évolutions. On va gagner un peu sur le transport. On a un fabricant d'aluminium et de verre juste à côté. Le module, c'est la cellule. Et puis après, il y a des composantes autour. Et puis après, il y a du verre et de l'alu. Et on arrive à compléter cette chaîne de valeur à proximité. On gagnera sur le coût de transport. Des éléments lourds qui ont été faits pour être fabriqués et installés juste à côté. Donc, il y a d'autres aspects également qui peuvent se rajouter. Nous, on a développé pas mal de composantes autour du photovoltaïque.
Et puis, la pénétration sur le marché ou l'aide pour vraiment démocratiser ces produits, c'était juste des fois, ça suffit d'afficher une garantie sérieuse de produit qui va dépasser les 5 ans, qui va se rapprocher des 7 ans. Et puis après, l'acceptabilité, elle est beaucoup plus facile. Ça va se jouer sur pas mal d'éléments. Et comme ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un marché qui est vraiment énorme, qui est accessible à tous et dont il y a moyen de l'avoir fabriqué next door. Mais bien évidemment, l'industrialisation, dans sa première étape, elle a besoin d'un coup de pouce. Un coup de pouce des collectivités, un coup de pouce de l'État, un coup de pouce de l'Europe, ça c'est sûr. Merci. Mais écoutez, c'était vraiment très très riche. C'est pour ça que tous les supports qui ont été présentés aujourd'hui seront accessibles, je le répète, sur notre site internet. On pourra aussi récupérer toutes les questions et y répondre ultérieurement. Et puis, merci beaucoup en tout cas. On a bien vu le lien entre effectivement les dernières innovations, l'évolution en fait de la filière en termes de production, l'impact de la réglementation et puis aussi les différents modèles économiques qui peuvent continuer ou émerger. Et puis, l'impact sur le... malheureusement la filière citoyenne, mais qui visiblement est étendue à toutes les ENR. Donc bien sûr, l'implication citoyenne, c'est pas que le photovoltaïque. Et puis on peut aussi voir à travers d'autres aides, d'autres soutiens qui pourront émerger plus tard par rapport à ces dernières dispositions, ces dernières mesures, des éléments qui peuvent continuer à soutenir ce développement d'implication citoyenne. Je vous remercie beaucoup et je vous libère. Donc Pascal, si tu veux bien passer au présentateur suivant. Donc on va avoir une intervention de la région, Cédric Blunven, qui va nous revenir un petit peu sur les dispositifs de la région. Vous êtes nombreux à avoir posé des questions sur les subventions. Il va pouvoir y répondre et je lui laisse la parole de suite. Bonjour Cédric. Bonjour Nagis. Donc, je vais partager ma présentation. Je ne sais pas si tout s'affiche bien pour vous. Impeccable. Parfait. Je m'appelle Cédric Blunven, je suis chargé de mission au sein de la région Île-de-France dans le service transition énergétique, qualité de l'air, bruit, climat. Et je m'occupe plus particulièrement des sujets très afférents au solaire photovoltaïque présenté, des actions régionales contribuent à l'essor projets sur tout le territoire. Les actions qui ont déjà été menées et surtout les perspectives, parce qu'on l'a vu avec les interventions précédentes, une évolution du cadre réglementaire qui nous pousse à repenser nos moyens d'action. Donc tout d'abord, l'action régionale, elle est encadrée par une stratégie énergie-climat qui a été adoptée en 2018, qui vise à mobiliser collectivités, entreprises, collectifs citoyens, le monde de la recherche et le monde universitaire autour d'une trajectoire de transition énergétique avec à la fois une réduction des consommations énergétiques de la région Île-de-France qui est importatrice d'énergie en grande partie et aussi le développement de la production et de la consommation d'énergie renouvelable. Donc, le solaire photovoltaïque, c'est une de ces briques de la stratégie énergie-climat et des contours ont été définis grâce au plan solaire qui lui a été adopté en 2019. Décline en fait les objectifs avec des jalons et des projets opérationnels portés par la région. On a quelques chiffres qui avaient déjà aussi été évoqués en début de présentation sur l'objectif à 2030, donc 6 TWh d'électricité issue du solaire photovoltaïque. Aujourd'hui, on est à 0,12 en 2020, donc on voit qu'il y a encore énormément de progrès à faire. En termes de capacité, le plan solaire définissait 250 MW en 2021. Donc au 31-12, très bientôt, on pourra arrêter les compteurs et faire le bilan. Et 6 000 MW en 2030.
Les objectifs, on le voit, qui sont élevés, l'écart est encore considérable, mais on peut observer sur le graphique à droite qu'on a quand même une tendance de croissance de la capacité chaque année qui est installée. On était la dernière région en capacité installée en 2018 au moment de l'adoption de la stratégie. Il me semble qu'à mi-2021, on avait dépassé la Corse. Donc on n'est plus dernier et il faut poursuivre cette dynamique. Et la région entend soutenir, voilà, avec les compétences qu'elle détient, l'essor de projets. Je vais vous présenter plutôt vous évoquer, si vous connaissez déjà, un premier outil qui s'appelle Mon Potentiel Solaire. Donc le travail de l'AREC avait été présenté justement sur la constitution d'une base de données avec le gisement solaire sur le territoire francilien. Donc en 2019, la région a mis en place ce téléservice que vous pouvez retrouver facilement en tapant Mon Potentiel Solaire Île-de-France sur votre moteur de recherche préféré. Il apparaîtra en première ou deuxième position. Et donc je vous ai présenté une capture d'écran qui montre bon, déjà le visuel. Vous avez en fait tous les bâtiments qui sont en relief avec des dégradés de couleurs qui correspondent au potentiel, donc la capacité solaire qui pourrait être installée et à la production qui pourrait être obtenue avec des centrales photovoltaïques sur chaque toiture, avec un code couleur que vous avez sur votre gauche. Et il y a également un onglet urbanisme, donc là qui n'est pas déroulé parce que sinon c'était un peu trop petit, mais qui vous permet de voir la typologie du bâtiment. Est-ce que c'est du commerce, du bureau, de l'habitat individuel ou collectif, un établissement scolaire, un bâtiment aussi qui serait sous zone d'influence d'un bâtiment classé. Donc ça permet d'avoir une première vue des bâtiments qui pourraient être envisagés pour développer des projets. Ensuite, il y a d'autres onglets qui sont disponibles. J'ai mon projet qui, lui, justement, explique les étapes pour développer un projet solaire, vers qui se tourner si on veut faire un devis, si on veut avoir des conseils, qu'est-ce qu'un projet citoyen, comment je me débrouille avec la règle d'urbanisme, à quel moment je réfléchis au plan de financement de mon projet. Donc, il y a plusieurs indications qui sont disponibles via cet onglet. Et l'onglet Mon territoire vous donne aussi, à l'échelle d'une collectivité, les chiffres en fait de couverture, par exemple, de la consommation, si tous les bâtiments avec un potentiel important seraient équipés de panneaux solaires. Ça donne rapidement des ordres de grandeur qui peuvent permettre de mettre en avant, de valoriser le gisement solaire d'un territoire. Une mise à jour va être faite pour cet outil, j'en parlerai juste après. Donc il est public, il est adressé à tout porteur de projet, n'hésitez pas à le consulter. Ensuite, la région a développé des dispositifs tiens, techniques et financiers, avec notamment un appel à projet intitulé Développement des énergies renouvelables électriques depuis 2019, qui visait à délivrer une subvention à l'investissement pour des projets, alors pas seulement photovoltaïques, aussi d'hydroélectricité, de production d'hydrogène renouvelable par exemple. Mais c'est vrai que la majeure partie des projets déposés concernaient du solaire photovoltaïque. Donc jusqu'à 50% des coûts d'investissement de la centrale pouvaient être subventionnés. Donc on a 38 projets qui ont été soutenus. Alors par projet, j'entends dossier, mais il y a certains dossiers qui contiennent des grappes de centrales. Donc en fait, on est à un nombre supérieur de centrales. 9 millions d'euros de subventions pour 31,4 millions de fonds mobilisés d'investissement réel sur les projets. Vous voyez bien qu'on n'est pas toujours à 50% de subventions. Et, pardon? Nous avons perdu votre présentation. Ah, alors je vais arrêter le partage. Ok, je retente. Est-ce que c'est revenu? Oui. D'accord. Bon, ça doit être la connexion qui fluctue. Donc cet appel à projet, voilà, a permis de faire émerger des projets qui n'étaient pas rentables sans la subvention régionale. On a eu un exemple tout à l'heure en début de la conférence. La région ne cherche pas à tout prix verser une subvention, quelle que soit la typologie de projet. On effectue une analyse justement du temps de retour sur investissement, mais aussi du taux de rentabilité interne de chaque projet. L'enjeu, c'est que des projets qui soient déjà rentables n'aient pas besoin de subventions régionales, ça, bien entendu.
Mais on voit qu'il y a certaines typologies de projets qui ont des coûts supérieurs à ceux du marché et qui peuvent être des projets pilotes moteurs, qui ne doivent pas être négligés, qui, eux, ont besoin de subventions. Cet appel à projet est ouvert à toute personne morale, donc des entreprises, des associations, des collectivités. Et il va être réadapté, j'y viendrai juste après, suite aux évolutions du cadre réglementaire. Dans la même veine, il y avait également l'appel à projet sans projet d'énergie renouvelable citoyen, donc qui s'adressait, lui, aux collectifs citoyens donc, qui ont été présentés tout à l'heure. Outre la subvention d'investissement, il y avait également une aide aux études qui était délivrée. Jusqu'à 80% des coûts d'une étude pouvaient être couverts par une subvention. Donc, dans ce cadre-là, il y a eu des dossiers uniquement d'études et des dossiers d'études puis d'investissement qui ont été soutenus. La région a mis en 2020 en place l'appel à manifestation d'intérêt et mobilisation des collectivités pour une Île-de-France solaire, mise en œuvre par la REC. Nargis peut-être détaillera. Nous avons eu 10 collectivités lauréates. Là, l'enjeu, c'était de fournir un accompagnement sur la durée auprès de collectivités qui souhaitaient déployer du solaire sur leur territoire. N'étaient peut-être pas forcément à l'aise avec tous les outils de valorisation économique et d'identification du gisement. Et du coup, voilà, la REC permet de sélectionner des bâtiments au plus fort potentiel et donner les outils d'aide à la décision pour faire émerger des projets. Et enfin, le plan de solarisation des lycées, qui n'est pas géré directement par le service dont je dépends. On a un objectif régional de 100 installations photovoltaïques sur les toitures de lycées d'ici 2024. Donc, c'est en cours. Et on aura plus, dès que les différents appels d'offres, justement pour sélectionner des développeurs, auront abouti. Donc, voilà ce qui a été fait jusqu'à présent. Maintenant, il faut voir ce qui va arriver dans le futur. La stratégie énergie-climat, elle propose des objectifs à horizon 2030. Donc, la région entend continuer à soutenir le solaire photovoltaïque. L'arrêté tarifaire, on a parlé tout à l'heure, il ouvre certaines voies pour le développement de centrales photovoltaïques. Il en ferme d'autres. De notre côté, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de projets sans soutien qui ne seraient pas viables. Et donc l'interdiction de cumul qui avait été abordée nous oblige à repenser nos modes de soutien à la filière et aux porteurs de projets. Donc, concernant l'appel à projet développement des ENR électriques, nous sommes en train d'échanger avec l'ensemble des acteurs du secteur et les autorités compétentes pour voir quelles seraient les voies de financement restantes non directement liées à la production électrique, mais par exemple voilà la réfection de toiture pour ensuite mettre une installation solaire, au financement de fondations de la structure d'ombrière pour ensuite que les panneaux soient installés, comment peut-être financer plus facilement des grosses opérations de maîtrise d'œuvre ou des études de gisement à l'échelle du territoire. On est en train de réfléchir aux mécanismes qui permettraient de massifier le nombre de projets portés par une collectivité, par exemple, de faciliter, d'avoir un rôle voilà, de facilitateur pour l'émergence de projets avec le nouveau tarif d'achat. Ce qui est clair, c'est que dans le dispositif actuel, l'autoconsommation totale et les projets qui ne bénéficient pas d'un tarif d'achat garanti par l'État, par exemple les projets qu'on appelle PPA, Power Purchase Agreement, eux pourront toujours bénéficier de la subvention parce qu'on ne sera pas en situation de cumul d'aide. Si on a de l'autoconsommation avec de la revente de surplus, si le porteur de projet revend son surplus non pas auprès de l'acheteur obligé, mais d'un autre tiers, il sera aussi éligible à notre subvention régionale. Ce type de projet, notre soutien restera le même. On est en train de développer pour les autres cas, notamment la vente totale, de nouveaux moyens d'action et on espère vous donner la visibilité au plus vite, justement pour l'année qui vient, avec, on le sait, les préparations budgétaires sont indispensables. Donc on fera une communication dès que les nouveaux dispositifs régionaux seront arrêtés et établis. On avait un appel à projet d'aide aux études qui, lui, va continuer à exister avec un financement jusqu'à 50%. Peut-être que ce financement sera rehaussé, auquel cas, effectivement, on fera une communication. Et pour mon potentiel solaire, donc l'ajout de la base de données des parkings va être faite sur l'interface du logiciel. On a vu les bâtiments tout à l'heure. Début d'année 2022, mi-2022, il y aura a priori les parkings qui seront disponibles avec aussi une typologie et un mode de repérage en fonction du potentiel. L'idée, c'est de pouvoir massifier aussi le nombre de projets sur ces surfaces.
Et si on a confirmation de la subvention, par exemple, des coûts de fondation des ombrières, ça pourrait être l'occasion de faire émerger de manière massive ce type de projet en Ile-de-France. Si sur certains bâtiments, peut-être que les projets seront plus difficiles, sur les ombrières, il y a peut-être un nouveau créneau qui s'ouvre. Voilà les actions, la réflexion, où elle en est aujourd'hui de notre côté. On l'a vu et ça a été aussi abordé. Il y a beaucoup de changements en ce moment, beaucoup d'annonces. Et donc, il faut aussi qu'il y ait des bases juridiques derrière qui nous permettent d'appuyer des nouveaux dispositifs. Dès que tout sera stabilisé, on fera une large communication. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la région va continuer à soutenir le solaire photovoltaïque d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup, Cédric. Donc, je vais compléter effectivement ce propos en revenant très rapidement sur l'AMI. Vu le temps, je vais juste en 2 minutes très rapidement vous expliquer de quoi il est question et comment est-ce que cet accompagnement s'effectue en ce moment. Donc, il s'agit comme l'a bien expliqué la région, il s'agit d'un accompagnement qui s'inscrit dans les dispositifs régionaux. En fait, il découle du plan Île-de-France pour un territoire solaire et il est inscrit dans l'une des 5 actions en fait de ce plan solaire, qui est l'accompagnement des collectivités pour identifier les potentiels. Donc, l'objectif de cet accompagnement, c'est de se découper en 2 temps. On a un temps qui est dédié qui est individuel avec chaque collectivité lauréate, et puis un temps en groupe, donc pour rassembler les collectivités et pour qu'elles puissent échanger ensemble. Alors, dans ce premier temps qui est individualisé, l'objectif, c'est d'identifier le gisement des collectivités. Donc, ça va être sur le patrimoine sur lequel elle peut agir, mais aussi sur le patrimoine sur lequel elle peut avoir une influence disons, encourager par exemple le développement. Donc, si on a un EPCI ou un département qui candidate, il peut très bien s'agir d'identifier le patrimoine, le gisement sur le patrimoine de collectivité, et ensuite descendre à l'échelle de ces collectivités pour les sensibiliser et puis les aider à réfléchir à la solarisation de leur toiture, par exemple, en fonction, bien sûr, des opportunités et de leurs besoins. Donc, ce qui ressort, cet accompagnement, l'objectif, c'est d'apporter un maximum d'outils et d'informations aux collectivités. Donc, ça peut être pour répondre à un besoin de définition autour des modèles économiques. Ça peut être aider la collectivité à se situer dans son niveau d'implication, dans sa capacité à agir sur son territoire. Ça peut être aussi l'aider à comprendre les étapes de développement d'un projet, donner des grandeurs d'ordre financières aussi pour l'aider à appréhender les projets et puis à savoir si effectivement elle est en mesure de porter en propre le financement de certains projets ou non. Et dans ce cas-là, s'associer avec d'autres acteurs et puis la mettre en réseau avec ces acteurs-là. L'accompagnement, du coup, a fait ressortir pas mal de besoins des collectivités, donc jusqu'à présent. Ces besoins se situent surtout sur l'approche avec donc les opérateurs, avec les développeurs privés sur qui les sollicitent, notamment sur le foncier au sol. Il y a aussi un besoin au niveau des grandeurs d'ordre financières. C'est vrai que Il y a toujours cette question sur comment est-ce que j'amène progressivement ma réflexion à une étude de faisabilité. Et puis aussi la réflexion autour d'un plan d'action. Donc c'est vrai que l'objectif, c'est pas de développer à tout prix des projets photovoltaïques, c'est vraiment de réfléchir un projet photovoltaïque dans une logique de territoire et par rapport à d'autres programmes qui peuvent être en parallèle. Donc notamment, on sait que la priorité est donnée à l'efficacité énergétique, donc l'amélioration des bâtiments pour la réduction de leur consommation.
notamment, eh bien, il y a d'autres programmes comme le programme ACTE dans lequel ce type de dispositif s'inscrit en parallèle. Et donc, on va réfléchir à un projet en fonction d'une globalité. Donc, par exemple, s'il y a la réfaction d'une voiture qui est prévue, bah, automatiquement, revenir sur les études de gisement pour voir si le bâtiment était pertinent pour du photovoltaïque ou non. Ça peut être aussi voilà, travailler en connaissance de tous les dispositifs. Donc, notamment, il y a un dispositif qui est mis en place par la MGP pour identifier du potentiel en toiture et puis le proposer à des développeurs privés pour développement. Et justement, ça m'amène à laisser la parole donc à notre intervenant suivant de la MGP, qui est Guillaume Clouard, et qui va pouvoir revenir sur le plan solarisation de la MGP et justement les dispositifs qui sont mis en place dans ce cadre-là. Bonjour Guillaume, je passe la parole. On ne vous entend pas, monsieur Clouard. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Guillaume Clouard, je suis chargé de mission rénovation énergétique des bâtiments publics au sein de la métropole du Grand Paris. Donc, j'ai en charge notamment l'appel à initiative privée sur la solarisation des bâtiments du patrimoine public métropolitain. Donc, je vais juste intervenir quelques minutes en termes de témoignage pour expliquer un petit peu comment s'est déroulée et se déroule cette démarche globale. Donc en fait, l'appel à initiative privée, en fait, c'est de faire appel à des investisseurs privés pour pouvoir investir, entretenir et mettre à disposition des panneaux solaires photovoltaïques sur le patrimoine public de nos membres, donc des communes ou des EPT. Donc à l'automne 2020, on a consulté nos membres et on a pu échanger avec eux. Il y a eu 44 communes et EPT qui ont répondu pour 350 toitures. Donc effectivement, c'est vrai qu'on avait un capital de toitures qui pouvaient être identifiées, qui ont été recensées à l'origine du projet. Et donc à la suite de ça, on a fait appel à deux AMO, donc un bureau d'études techniques pour analyser la performance énergétique des toitures, et puis un AMO juridique pour pouvoir nous calibrer au mieux le futur marché qui sera proposé aux futurs investisseurs. Durant cette année 2020, ça a été le travail de l'AMO technique. En fait, le système du projet à partir de ces 350 toitures, ça a été de fonctionner par questionnaire, de pouvoir affiner la connaissance de ces toitures via le bureau d'études en lien avec les communes. Et on a pu identifier d'abord, situer l'emplacement des futurs panneaux solaires, et la performance des panneaux a été évaluée par notre bureau d'études sur chacune des toitures. On a pu évaluer dans un premier temps les toitures qui étaient les plus performantes. Et donc, en fait, le projet fonctionne un peu comme un entonnoir où petit à petit, on arrive à affiner de plus en plus la qualité des toitures qui seront retenues. Dans un deuxième temps, on a évalué la capacité technique et économique de ces toitures par un second échange avec les communes et les collectivités partenaires qui nous ont fait remonter l'ancienneté des toitures, s'il y avait besoin de refaire de l'étanchéité ou non, parce que ça peut changer l'économie du projet. En parallèle, pour pouvoir consolider, on va dire plus juridiquement et de manière globale, notre projet, on s'est mis en relation avec le service métropolitain de l'architecture et du patrimoine, et on a organisé une réunion avec les ABF des secteurs concernés. Donc, vu que ça couvre 4 départements, donc on a eu cette rencontre avec ces ABF, comme il y avait plus de 100 bâtiments qui étaient concernés par un périmètre de protection. Donc ça permettait de travailler ensemble à un mode d'intégration patrimoniale des panneaux solaires, de sécuriser notre projet dans le respect du patrimoine en échangeant ensemble avec le service dédié. Donc, à l'heure actuelle, on,
on arrive à consolider les toitures qui sont économiquement ou énergétiquement les plus performantes. Il y a de la complexité qui se met en place, il y a de l'économie citoyenne qui est importante, il y a de l'autoconsommation parce qu'avec le décret tertiaire, l'énergie produite peut être déduite des objectifs du décret tertiaire. Donc, il y a notamment de la part des collectivités des envies dans ce sens-là. Donc, nous, on va avancer avec proposer une réunion avec les membres qui sont inscrits dans le projet pour discuter de toutes ces solutions, revente totale, autoconsommation, énergie citoyenne, et essayer de trouver la solution qui soit la plus adaptée au projet. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Clouard. Donc, j'ai pour l'instant une question. Pascal, si tu veux bien ajouter Cédric pour lui faire remonter la question. C'était sur la solarisation des lycées. Est-ce qu'il est prévu une ouverture au projet citoyen, au collectif de citoyens, pour qu'ils puissent contribuer à ce plan? C'est pour la région. Donc Cédric, Cédric, si tu peux activer ton micro, on ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est bon. Alors, je sais que le sujet a été posé sur la table, mais pour l'instant, il y a en fait une ouverture à la concurrence classique prévue pour du coup l'occupation des toitures par un développeur privé qui versera en fait à la région une redevance en échange de l'occupation, et donc il y a des centrales solaires qui seront établies sur différentes toitures. Donc dans le cadre de cette mise en concurrence classique, il n'y a pas eu de disposition pour favoriser les projets citoyens. Le code des marchés publics est très restrictif là-dessus. Et je sais qu'il n'y a pas de lot qui est réservé aux projets citoyens à l'heure actuelle. Donc, c'est pour l'instant pas mis en place. Peut-être dans le futur, mais pas aujourd'hui. Et du coup, Monsieur Clouard, dans le cadre du plan de solarisation de la MGP, par contre, il y a effectivement une discussion qui est prévue pour intégrer les collectifs de citoyens potentiellement dans ces lots. Oui, tout à fait. Donc, on est ouvert à toute proposition. C'est vrai que les, autant pour le prix des matériaux, le tarif qui a changé, il y a beaucoup d'actualités. Ça change très régulièrement. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter à une direction une et entière. Effectivement, il faut apporter de la souplesse parce que le contexte économique et réglementaire évolue très rapidement, et donc des opportunités peuvent arriver. Donc, oui, il faut toujours ouvrir toutes les portes et puis voir ce qui sera le plus facile à réaliser. Voilà. Donc, et y compris l'énergie citoyenne. Je réponds aussi personnellement à une dernière question. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'efficacité énergétique. En fait, il s'agissait du programme ACTE. Certaines collectivités lauréates de l'AMI ont candidaté aussi en parallèle au programme ACTE. Et donc, elles travaillent sur l'efficacité énergétique de certains de leurs patrimoines publics au sein de leur territoire. Et donc, dans une logique de cohérence, l'idée c'est de mettre d'associer l'AMI avec le programme ACTE pour justement être le plus efficace possible. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions et on a largement dépassé le temps. Je vous remercie à tous donc pour votre présence, pour votre écoute et pour être resté jusqu'à la fin de cette visioconférence. Comme je vous l'ai dit, donc on va pouvoir vous mettre à disposition tous les supports qui auront été présentés aujourd'hui. N'hésitez pas aussi par ailleurs à nous contacter à REC si jamais vous avez des questions qu'on puisse faire remonter, relayer, des contributions aussi à certaines mesures ou à certaines des réactions par rapport à certains éléments qui auront été partagés aujourd'hui. Et puis, je remercie aussi tous les intervenants qui se sont rendus disponibles.
et pour la richesse de leur partage. Et puis, ça souligne bien, en fait, le fait que la filière photovoltaïque, c'est en réseau que ça se construit et qu'effectivement, on a besoin de tous les acteurs, que ce soit les associations, les développeurs privés, que ce soit les syndicats d'énergie, la dimension recherche, les distributeurs, les opérateurs et les institutions pour pouvoir justement continuer dans cette dynamique et puis améliorer la prise en compte de toutes les contraintes liées au développement du photovoltaïque et puis que ce soit cohérent avec les objectifs de transition énergétique. Je vous remercie et puis voilà, on peut s'arrêter là. Merci à tous. Merci, bonne journée.